Voilà, on est au rendez-vous presque 5 minutes en retard. Avec l'aide de Hachem ce soir, nous allons parler d'une plante merveilleuse, vraiment merveilleuse. Une plante qui a des racines dans la Torah et qui est très très ancienne dans la mystique juive. Et qui fait tellement de bien. Nous allons profiter ce soir de donner donc les 52 ségoulottes, enfin, propriétés et les façons, comment on va préparer la recette. Quels sont les cas, pourquoi, avec l'aide de Hachem. Je vous souhaite en tous les cas très bonne santé, que Hachem Yitbarach nous donne la force de continuer toujours à œuvrer pour glorifier son nom. L'essentiel, c'est ça. Hein? On est là, ici, dans ce monde, pour glorifier le nom de Hachem. Le reste, c'est très passager. Le reste, c'est un commentaire. En tous les cas, bonsoir. Tout le monde est au rendez-vous. Et il y a plus de 10 personnes. J'ai toujours dit qu'il faut commencer à faire le cours quand il y a 10 personnes. Alors ce soir, bien sûr, le romarin, qui, comme vous connaissez, vous avez dû sûrement regarder des médecins, des spécialistes parler du romarin, qu'il a beaucoup de bienfaits curatifs. Et je vais essayer de les diviser en trois parties, trois forces. Parce qu'il me semble que cette plante, elle est très puissante, elle est très intelligente. Et le malard, l'ange, qui la gouverne, qui la gère, qui lui donne les vitamines, c'est un malard, un ange très spécial. Très, très, très spécial. En fait, pour moi, le romarin, le romiro qu'on appelle, ou en hébreu, rosmarine, ils appellent ça rosmarine. Il a une familiarité dans ses bienfaits curatifs avec la rota, avec le figuel, avec la plante laru. J'ai parlé beaucoup de cette plante. Vous savez, je vais vous dire une confidence, mais ça m'a plu, hein. Les Israéliens ont dévalisé les magasins où ils vendent les graines de rue, de la rue. Ils se sont, j'allais dire, rués dans tous les magasins et dans toutes les machtelot, c'est-à-dire les pépinières où on vend des hatsis, c'est-à-dire des pots de plantes, etc. Ils ont tout vidé. Tout vidé. Et ils commencent maintenant à faire la plantation. Et pour avoir, parce que c'est l'automne, c'est l'automne. Et donc, il y a qui veulent des plantes fraîches. C'est très, très bien aussi. Mais il ne faut jamais s'occuper à prendre les plantes fraîches comme elle est. Il faut toujours la faire sécher un petit peu. Et ça m'a fait plaisir que les cours, que ce cours-là, il s'est diffusé, il s'est dispatché un peu de partout. Et beaucoup, beaucoup, vous savez que j'avais un, donc j'ai un site israélien, s'appelle Rav Menachem Beros. J'ai quatre groupes WhatsApp. Et là, quand j'ai donné le numéro de téléphone ou appelé, s'il y a quelqu'un qui veut demander une question, ou s'il y a une urgence, une bracha, etc., à mon étonnement, il y a eu presque 600 abonnés en plus, ce qui m'a fait dans les 3150 abonnés en hébreu, sur Facebook. Après, il y a YouTube, il y a presque la même chose, 3600 en hébreu. C'est magnifique ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du monde, grâce à Dieu, qui veulent apprendre, qui veulent, ils s'intéressent, ils s'intéressent. Nous, notre but, vous le savez très bien, notre but, c'est d'améliorer le monde, d'améliorer l'humanité, d'améliorer l'humanisme, d'améliorer l'amour, d'améliorer le partage. C'est pourquoi on est venu ici dans ce monde, pour partager. Autrement dit, nous étions dans notre monde avec Hachem. Une étincelle féminine, Nekeva,
Nekeva, c'est quoi? C'est féminin, c'est comme la lune, elle reçoit, elle reçoit, elle reçoit, mais quand on reçoit, 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 on disparaît. On apparaît pour recevoir, et puis après, hop, on disparaît. Ça, c'est la lune. La lune, c'est nul. Que de recevoir, recevoir, c'est nul. Lune, nul. Donc, il faut annuler cela. Et il faut avoir des rayons de soleil. Les rayons de soleil, c'est le patron du monde. C'est le lion du monde. Le lion, avec sa crinière, il vient et dispatche tous les poils qu'il a autour de la crinière. Ce sont enfin des diffusions de lumière. Et en fait, j'ai toujours comparé la rota à un lion. C'est un vrai lion. Pourquoi? Parce que la rota, hein, je vous le dis, c'est très important de cette préface parce que je vais coller les deux pour une recette, donc une tisane, une infusion par la suite. Parce que rota, c'est la valeur numérique de Arié. Arié, c'est le lion. C'est magnifique. Valeur numérique 216. Valeur numérique Arié. La sagesse de Adam Arichon par rapport aux anges, c'est qu'il connaissait la plante, l'essence, qui lui donne la tchouka. C'est quoi la tchouka? Ça veut dire le désir de grandir. Il y a un ange qui donne le désir à la plante de grandir. Il lui parle. Il s'occupe d'elle. Si on pouvait s'occuper de nos enfants comme ça, combien serait très facile l'éducation de faire grandir des enfants avec la connaissance de l'essence même de l'enfant. Quel est son mazal, quel est son ratson, quelle est sa volonté, quelle est sa tchouka, comment il s'appelle son ange. Si on juste en savait. Mais en vérité, pardon, tout cela est inscrit dans le prénom d'une personne. Donc là, maintenant, on est en train de parler, pas des hommes, pas des enfants, pas des femmes. Nous parlons de la plante Romiro. En hébreu, Romiro, c'est romarin, rosmarine. En arabe, il s'appelle Hatzelben. Hatzelben. Donc, Het, pour moi, en hébreu, c'est très significatif. En hébreu, il s'appelle Hatzelben. C'est-à-dire, il s'écrit comme ça. Voilà. Je vous montre une feuille très puissante par la codification interspirituelle avec des lumières qui sortent, des lettres qui font l'être, font apparaître toute l'essence, connaissance et reconnaissance à l'éternel, surtout. Hatzelben. Comme ça c'est le côté musulman, arabe, du côté ouest. Après, elle s'appelle aussi du côté S, elle s'appelle Azir. Azir. Elle s'appelle comme ça. Aleph, Zayin, Yud, Eresh. Aleph, Zayin, Yud, Eresh. Comme ça s'appelle le romarin. Et c'est très important pour moi. C'est pas moi qui le dis, ce sont des rabbins comme il y avait un rave qui s'appelle Rabbi Raphaël Ohana, un rabbin très ancien. Il y a un autre qui s'appelle Rabbi Avraham Hamoï, qui se sont bien occupés de ces ségoulottes, c'est-à-dire des vertus, des bienfaits médicinaux, médicinaux, des plantes. Et moi, je me suis accroché à ça, parce que c'est ça, en fait, qu'on a besoin pour rétablir le métabolisme des personnes comme moi, comme vous, comme des malades, etc., pour donner la force à chaque corps, lui donner la puissance pour pouvoir une seule chose, étudier la Torah, accomplir les mitzvot et supporter les épreuves surtout. Il faut avoir un bon coffre, un bon corps avec une bonne santé pour ne pas, Hasvé Shalom, tomber, s'évanouir, s'effondrer devant les épreuves. Comme il y a des gens qui s'évanouissent, ce qu'on appelle l'évanouissement du cœur. C'est-à-dire, le cœur est tourmenté et il tombe par terre. Pourquoi je vous parle de ça, de la bonne santé? C'est pour recevoir la parole de Dieu. Pourquoi je fais cette préface? Parce que, en fait, c'est le Zohar HaKadosh, dans la paracha de la semaine que nous sommes,
Era el Avram, Be'elonim Mamré. L'Éternel est apparu à Avram dans les plaines de Mamré. Et Avram, il est extraordinaire. C'est marqué. Vaïra Elav. Vaïra Elav, il est apparu à lui. À qui lui? Le Zohar Kadosh dit à lui, c'est-à-dire au Brit Kodesh, à la Brit Mila, puisque c'est le troisième jour de sa Brit Mila, de sa circoncision. À 99 ans, Avraham, l'Éternel lui recommande de se circoncire. Voilà, 99 ans. Et c'est marqué Vayera et Lav, et l'Éternel est apparu à lui. Et le Zohar HaKadosh, il dit, pourquoi il ne lui dit pas « Vaïra el Avram » à Avram ? Répond le Zohar HaKadosh, non, là, c'est spécifique. Il est concentré sur le Brit Mila. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il dit le Zohar HaKadosh quelque chose de suprarationnel, quelque chose de beau, quelque chose de magnifique. Je m'inspire de ça pour justement le côté médicinal pour nous ce soir avec l'aide de Hachem. C'est quoi ? C'est qu'avant de couper la orla, avant de couper le prépuce, parce que la orla, c'est un haraal, c'est l'anagramme, je l'ai dit hier, haraal, c'est-à-dire le poison, c'est le poison du corps, parce que ce poison qu'il y a chez chaque être humain, homme, qui naît, eh bien ce poison, c'est en fait la manifestation du désir, du plaisir charnel qui crée justement ce prépuce. Pourquoi il pousse à cet endroit et pourquoi il nous faut le couper, hein? Il faut le sectionner pendant la Brit Mila à 8 jours. Après avoir passé un Shabbat, il nous faut 8 jours pour que ce petit nouveau-né passe un Shabbat. Pourquoi il doit faire en 8 jours, disent nos sages, pour que le nefesh du Shabbat, c'est-à-dire l'ange du Shabbat, c'est-à-dire la planète qui est dirigée par le Shabbat, cette planète s'appelle Shabbetai. Shabbetai, c'est la planète Saturne. Et Saturne, cette planète, elle tourne, elle est influencée par un nom très spécial, s'appelle Shabbat. Le nom du Shabbat, c'est lui qui dirige la planète Saturne. Je vais vous expliquer par la suite de quoi je veux parler. Et donc cet enfant, il est né à tel jour, il doit attendre 8 jours pour pratiquer la circoncision. Et la raison, elle est sublime, pour que le jour du Shabbat, qui est le 7e jour après sa naissance, qui est le nefesh du Shabbat, le repos, la plénitude, la tranquillité, la menoucha, puisse rentrer, pénétrer dans le nefesh, dans l'âme végétative pour l'instant, du petit. C'est très intéressant. Et une fois que cette âme du Shabbat, elle rentre dans l'âme végétative du garçon, alors le 8e jour, nous pouvons maintenant pratiquer la circoncision. Et enlever quoi? Et enlever ce petit morceau qui pousse dans le Brit Kodesh, donc l'alliance de Dieu, là où il est marqué dans la paracha 13 fois le mot Berit, lorsque l'Éternel dialogue avec Avraham. Il lui parle de 13 fois l'alliance, Bérit, 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 13 fois, parce qu'il veut qu'avec Avraham, il développe l'amour. Avraham, c'est la colonne vertébrale de l'amour. C'est très bien parce que 13, c'est la valeur numérique Ahava, l'amour. Et Avraham n'a cessé dans sa vie que de faire du bien, et du bien, et du bien, et du bien, et du bien. Même avec les impies, même avec les idolâtres, même avec les durs de ce monde, les athées, comme Sodome et Gomorre, comme on le sait. Et Avraham Avinu, Dieu lui donne cette alliance de 13 alliances. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
par l'alliance, en retirant ce prépuce au moment propice, à 8 jours, c'est vrai que Abraham, il l'a pratiqué à 99 années. Et la question est de savoir pourquoi il a attendu 99 ans. Pourquoi il ne pouvait pas le faire de suite? Or, dans lui, Abraham, écoutez ça. Cette réponse que je vous donne maintenant, c'est une bonne question, non? Pourquoi il a attendu 99 ans? Alors qu'il savait que ce prépuce-là, il avait besoin de ce qu'on appelle d'une protection 53. C'est-à-dire de couper cet endroit, cette morceau, cette pellicule que l'on coupe, que l'on met après dans un bol où il y a de la terre. Parce qu'en fait, cette petite partie, elle vient de l'intromission du serpent. Et le serpent consomme énormément le sable et toute sa vie. Et tout ce qu'il mange, comme banane et comme crocodile, il mange ce qu'il veut, le goût est du sable. Parce qu'il est responsable. Parce qu'il a enlevé le goût de la vie, enlevé le goût de Hachem, l'attachement de ce qu'on appelle la hitla hatout, la hitbonenout, la hitbodedout avec Hachem, c'est-à-dire le sacrifice, attachement avec Hachem, l'amour. Il lui a enlevé ça. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit maintenant, toi aussi, je vais t'enlever le goût. Tu vas tout manger. Tu vas manger des bananes, tu vas manger des brebis, tu vas manger ce que tu veux. Mais le goût que tu auras, il aura le goût du sable, de la terre, de la poussière. Adam Arishon, tu lui as enlevé le goût de la tunique, de s'attacher à Dieu, comme il est marqué dans les psaumes, « Ta'amour ou kitov Adonai ». C'est-à-dire goûter et vous allez voir, vous allez constater, goûter et vous allez constater que l'Éternel est bon à manger, à croquer, à s'attacher. Le goût le meilleur, c'est celui de l'attachement à Dieu par la Torah, par les mitzvot, par l'amour du prochain, par la bienveillance au prochain, par toutes les mitzvot que la Torah nous a recommandées. Il y a dans chacune la résurrection de soi. Dans chaque mitzvah de la Torah, nous pouvons ressusciter nous-mêmes. Lorsqu'on est amer, lorsqu'on est inquiet, lorsqu'on est dans l'anxiété, on est dans la hatsmou, dans la tristesse, nous pouvons ressusciter, recevoir un métabolisme fort, tonifié. Maintenant, à Kadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, coupe ce morceau à 99 ans. Pourquoi il ne dit pas avant? Comme ça, il enlève ce prépuce, ce nefesh, ce rare, ce raal, ce poison. Rabbi Haïm Palachi, un des grands savants d'Israël, de Izmir, de Turquie, il donne un truc. C'est un Turc, mais qui donne un truc magnifique. Quoi? Il dit quelque chose. Il dit, Abraham Avinu ne voulait pas se faire circoncire, même qu'il y avait le prépuce, et ce prépuce peut causer du mal. Il peut avoir une attirance vers une autre femme. Car celui qui naît avec un prépuce qui est épais, plus grand, il faut savoir qu'il a une attirance beaucoup plus vers les femmes extérieures. Il faut le savoir, ça. C'est la raison pour laquelle on le coupe, pour diminuer la ta'ava, cet appétit sexuel. On la diminue pour couper la orla, l'excroissance, pour ne pas qu'il y ait une croissance. D'accord ? Excroissance, de revenir vers son ex. Parce qu'il y a une personne qui m'a appelé, il m'a dit, est-ce que je peux venir vous voir? Je lui ai dit, venez. C'est un monsieur, il y a 6 mois comme ça. Ce monsieur, il me dit, voilà, j'ai une très grosse épreuve. Qu'est-ce que tu as? Je suis marié, j'ai des enfants, mais j'aimais mon ex. Et mon ex, maintenant, écoutez ça, mon ex, elle est mariée et elle a 5 enfants. Et j'ai la ta'ava, j'ai le désir, j'ai le plaisir, j'ai envie de la rencontrer. Alors j'ai pris le Sefer Shemot, nous étions dans le Sefer Shemot, c'est l'Exode. Je lui dis, ferme le livre,
Demande à Hachem de t'aider. Demande juste à Hachem de t'aider d'être sauvé, de ne pas tomber dans le gouffre de l'adultère avec une femme qui est mariée et que toi, tu vas devenir infidèle. Même si tu as cet appétit-là à l'intérieur de toi, cette tava, cette excroissance qui va en croissance, d'accord? Et prie à Hachem qui te montre le verset. Écoutez ça, c'est vrai, c'est une histoire vraie. Qui te montre à l'Éternel comme ça, tu fermes tes yeux et tu demandes à Hachem, Ana Hachem Moshe Ana, s'il te plaît, Hachem, je ne veux pas faire cette faute-là. Mon Yetzer Hara, il est de feu. Il y a une appétit grandissant de feu, Shalhevet, une flamme énorme en moi, puisque cette femme me donne rendez-vous. Vous imaginez un peu l'épreuve où il se trouve ce monsieur. Puis je le prends gentiment. Je lui dis, calme-toi. Écoute bien. On va faire une prière. C'est le goral du Gaon de Vilna, le goral du Hida, le goral de beaucoup de rabbanim très anciens, qui consistait à dire que quand je ne sais pas, j'ai un deal, j'ai un doute, comment faire, je n'ai pas un rave devant moi, je prends n'importe quel livre de la Torah, c'est-à-dire les cinq livres de la Bible, et je prends le livre que nous lisons dans la semaine ou dans le mois. C'était donc la section, enfin, pas la section, le livre de l'Exode, l'exil. Vous imaginez une personne qui est mariée, qui devient infidèle, il va aller commercer avec une femme mariée. Quel gouffre, quel exil où il va entrer. Sa neshama, elle va se décrocher de lui. Elle ne voudra plus rester avec lui. Il va se sentir très mal. Ses affaires, même si elles sont réussies, même si elles sont magnifiques, mais ce monsieur, il mange du sable tous les soirs pour la cause d'avoir fauté avec la femme. Bon, c'était son ex. Et après, ça n'a pas marché. Eh bien, ça y est, c'est fini. Et puis, il commence à prier, à prier, à prier. Et il ferme ses yeux. Et je lui dis, après, tu touches là-bas, tu ouvres comme ça. On ne sait pas où ça va tomber. Tu pointes l'index. L'index, c'est celui-là, l'index. Celui-là, c'est l'index parce que c'est là où tu as mis la bague à ta femme. Celle-là. Et maintenant, tu veux enlever la femme qui, elle, a posé l'index pour mettre la bague de son mari. Donc l'index va indiquer quel est le message de Dieu. C'est un goral, c'est un tirage au sort par les lettres de la Torah. Dans la section et dans le passage du livre que l'on lit dans le mois, c'est-à-dire là, cette fois-ci, c'était l'Exode. Et donc, il tire et vous savez où il tombe? Allez, dites-moi où il tombe. Il tombe dans les 10 commandements, dans la section de Yitro. Son doigt, il est parti directement dans le commandement qui dit Lo tinaf, ne commets pas d'adultère. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est pas moi qui ai décidé. C'est lui qui a tellement prié. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ouvre son portable après avoir reçu ce message de Dieu, Lo tinaf, ne commets pas d'adultère. Il voit dans le message écrit, il me le montre, hein, un message pas très sage. Elle lui dit, voilà, je t'attends à tel hôtel. Allez, viens. Et là, il a explosé de pleurs, de larmes. Il a dit, vous imaginez que je ne vais pas y aller. C'est sûr et certain que je ne vais pas y aller. Dieu préserve. Voilà. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu fait dans son monde? Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit des personnes guidées que par lui. Le Waze, le GPS, le meilleur, c'est de dire Hachem, Horeni Adonai Darkecha Alech Ba'amiter. C'est un psaume. Le roi David avait des grosses difficultés, des épreuves.
Il dit, Elohai, l'Éternel, Ahaler Ba'amiter. Montre-moi la vérité et fais-moi marcher dans tes pas. Recommande-moi d'être comme ci, comme ça. Je vais être ton serviteur. Voilà. Maintenant, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire que les plantes, et c'est ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ces plantes, ils ont un ange qui les dirige, qui les gère, qui les nourrit et qui leur donne la ta'ava, c'est-à-dire le heshek. Le heshek, cela veut dire l'envie de faire. Avraham Avinu, pourquoi alors il ne s'est pas circoncis? Il avait beaucoup. Il a dit parce qu'il y a qui disent parce qu'il était vieux et il va tomber malade. Alors, la question est, mais Avraham Avinu, qui comme lui connaissait les bienfaits des plantes naturelles? Il peut prendre une plante. Ah, c'est vrai qu'il n'y avait pas de cicatrisant à l'époque. Il n'y avait pas de piqûre pour calmer la douleur. Mais Avraham Avinu connaissait la lithothérapie. Il connaissait la phylothérapie, la naturopathie. Il connaissait toutes les médecines, il les connaissait. Il va dans son jardin cueillir une plante et il la met sur lui, il boit sur lui et immédiatement, il peut devenir comme un roc. Il y a des plantes toniques, il y a des plantes tonifiantes. Avraham, il savait ça. Pourquoi il l'a pas fait? La réponse est la suivante, dit Rabbi Haim Palachi. Il a dit parce qu'Avraham ne voulait pas s'arrêter de faire le bien avec les autres. Si il s'était circoncis, il aurait eu très mal pendant quelques jours, pendant un mois, il serait resté en convalescence. Et pour ce mois-là, il ne serait pas affairé à s'occuper des êtres humains, à les inviter chez lui à la maison, à leur demander de manger, de boire, de dormir, en leur donnant de l'argent de poche. Et leur dire, vous savez, mon but à moi, c'est qu'il y a à Kadosh Baruch Hu, il y a l'Éternel, il y a l'Ella Mikola Elot, celui qui est la cause de toutes les causalités, celui qui est l'auteur de toutes les possibilités. Ayez confiance en lui. N'ayez pas confiance dans cette petite statue qui ne parle pas. Voilà, je prends le marteau, je la casse, elle ne peut rien me faire. Monte au ciel. Tu peux monter au ciel, tu ne peux pas. Va rentrer dans la mer, à la profondeur de la mer, sans rien du tout. Tu peux, tu ne peux pas. Hakadosh Baruch Hu, il a fait la terre, le ciel, Hayam, Bechol HaShel Bam. C'est comme ça, Abraham. Il essaye de les approcher gentiment, avec l'amour. Il n'a jamais vu telle personne qui était idolâtre, qu'elle était mauvaise, qu'elle a fait d'Avodazara. Mais jamais de la vie. Il n'a jamais fait honte à une personne qui est venue avec sa statue et lui a dit, et voilà, moi, je me prosterne avec ces statues. Je ne veux pas faire l'action de grâce. Parce qu'Abraham, il lui dit, allez, mange. Mange. Maintenant, quand tu as fini, remercie le bon Dieu. Il dit, pourquoi le bon Dieu? Il sort de sa poche une petite statuette. Il dit, voilà le bon Dieu. Il lui dit, mais ça, ce n'est pas le bon Dieu, ça. Donne-moi cette statue. Il lui dit, non, ça ne donne pas. Abraham a vu, nous, à un certain moment, il y avait une personne qui avait 90 ans. Et Abraham l'a complètement renvoyé, parce qu'il lui a parlé, il a vu qu'il était têtu. Et il est parti, il s'est trempé dans les... il s'est égaré dans les montagnes et tout. Il commençait, le pauvre, à pleurer. Il dit, je suis seul, j'ai 90 ans, et qui va s'occuper de moi, etc., etc. L'Éternel, il est venu chez Abraham, dit le Midrash. Il lui dit, comment toi? Je t'ai choisi pour t'occuper de mes créatures, qui soient idolâtres, qui soient impus, qui font toutes les avérotes. Et tu l'as laissé? Ça fait 90 ans, dit Hachem, Abraham, je me suis occupé de ce monsieur 90 ans. Et toi, en une heure, tu le renvoies chez toi? Waouh! Il a reçu, Abraham, une remontrance
qui lui a montré le chemin à prendre. Et en fait, Abraham a envoyé ses ambassadeurs, ses émissaires, pour aller le chercher. Ils l'ont trouvé en train de tourner dans les montagnes, en train de tourner dans les jungles. Peut-être qu'un prédateur y allait l'avaler. Il l'a ramené chez lui. Il l'a fait asseoir. Il a pris toute la nuit pour essayer de l'expliquer. Je sais que tu as ça, tu sais, mais en vérité, ça vaut rien. Il lui a expliqué c'est quoi l'amour de Dieu. Et l'autre, en fait, il ne connaît pas Dieu, mais il connaît Abraham par son amour. Et on ne peut pas avoir un amour exagéré, tellement fort, tellement puissant, tellement noble, tellement puissant et noble, s'il n'y a pas un bon Dieu qui a ça. Et c'est là, par l'amour, il lui a fait comprendre qu'il y a Kadosh Baruch Hu, la source de l'amour. Et depuis, Abraham s'est mis à échanger, à partager, à créer des auberges et à faire ce qu'il a à faire. Alors donc, Rabbi Haïm Palachi dit quelque chose de fantastique. Abraham, il a dit, tu vas me priver par le Brit Mila, je vais rester en convalescence et je ne sais pas comment ça va se passer. Et tu vas me priver de partager avec les êtres humains tes créatures. Je ne veux pas. Pour l'amour des créatures. Ça, c'est Abraham Avinu. Combien on doit apprendre? Combien on doit apprendre d'Abraham Avinu? Il a laissé même l'Éternel qui parlait avec lui. Il lui dit à Hachem, attends-moi. Seigneur, attends-moi. Je vais aller m'occuper de ces invités-là. Il les a vus comme des bédouins, des vagabonds du désert, tout nus, tout pieds nus. Et il est parti. Il a dit, venez, venez, rentrez chez moi. Rentrez. Lavez-vous les pieds. Je vais vous donner à manger. Il leur sert des langues. Il prend trois génisses ou trois veaux, et ça vaut la peine d'ailleurs. La langue, il prend cette langue, il lui met des moutardes, il reçoit ses invités. Quel amour, quel amour! Et Dieu avait fait exprès de faire sortir Hamma Minafika. J'explique maintenant. Je commence le cours. Et parce que il a fait sortir ce qu'on appelle le soleil de son enveloppe. Vous imaginez? C'est-à-dire un soleil rude, très fort. Le lion! Le lion qui apparaît dans toute sa force, avec des rayons très puissants, de quoi brûler toute la savane, les forêts, tous les jardins, toutes les plantes aromatiques. Et Abraham, il dit, je suis là, je suis prêt. Même que j'ai fait le Brit Mila, et qu'il était le troisième jour de la Brit Mila, alors c'est douloureux, sans anesthésie, seulement avec le soleil. Kehobayom. Parce que vous savez que le soleil peut guérir les cicatrices, il peut cicatriser les plaies, justement, de la Brit Mila. Il connaissait la lithothérapie, c'est ça, ce sont des médecines qui, soit la chromothérapie, par des couleurs, ou par le feu du soleil. En fait, ça, c'est écrit, mais c'est écrit dans un verset des prophéties. Shemesh. Le soleil, Marpa, guérit Bichnafeha avec ses rayons. De là est sortie la thérapie. Ça veut dire que le soleil peut guérir quelqu'un, peut cicatriser ses plaies. Il ne faut pas, bien sûr, se mettre trop sur les rayons de soleil parce que ça peut aussi amener des maladies, surtout les yeux. Surtout les yeux et la brûlure de la peau. Surtout. Donc, Avram, c'est sûr qu'il était sous sa tente. En attente de recevoir les invités. Et alors, Dieu est apparu à lui. Ça veut dire, dit le Zohar Kadosh, que avant ça, Abraham Avinu, lorsque Dieu parlait avec lui, il tombait et s'évanouissait. Il avait donc le cœur n'arrivait pas à tenir. Il n'avait pas un cœur solide de quoi recevoir directement la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait ce prépuce. Il avait cette impureté qui était en lui. Et donc, lorsqu'il a coupé cette fois-ci, elle a disparu. Et il a préparé son vase, cœur, âme, esprit. Et il a reçu Dieu direct. C'est pour ça que c'est marqué. Et il est apparu à lui. Et le Zohar Kadosh dit, pas Abraham. Abraham aussi, il recevait Dieu avant la circoncision. Mais seulement à lui.
à la Brit Mila, parce qu'il a enlevé cette partie de l'excroissance. Ça, première préface. Deuxième préface. Yaakov Avinu, notre patriarche, a dit quelque chose avant de bénir les enfants de Yosef. Nous allons le voir ça dans le chapitre de Bereshit, Memhet, Memtet, chapitre 48, 49. Il réunit Yosef, ses enfants, avant que Yaakov disparaisse, d'ailleurs dorme, pas mourir, hein, dorme. Les tzadikim ne meurent pas, ils dorment. Eh bien, il lui dit, avant de le bénir, Hamalach, écoutez ça. Hamalach haroe oti. L'ange haroe oti. C'est quoi haroe oti? Normalement, haroe, c'est berger. Celui qui m'a conduit comme si moi j'étais son mouton, sa brebis, et l'Éternel, par l'ange qu'il a envoyé, me conduire comme un mouton, ça c'est l'explication littérale. Mais c'est une explication qui est simple. Il y a un pirouche, c'est-à-dire un commentaire d'un rabbin docteur de la Mishnah qui s'appelle Rabbi Yonatan ben Uziel, il y a 2000 ans, un élève de Hillel HaZaken. Hillel HaZaken a assisté pendant le temple, le deuxième temple. Le deuxième temple a été détruit à 1950, etc., comme on a compté cette année. Mais avant ça, il y avait 200 ans avant, vivait une communauté, une génération en Israël hors pair, des Lumières. Et Hillel, parmi eux, le sage Hillel, c'est-à-dire descendant de David, le roi David, descendant de Yehuda, fils de Léa et Yaakov, Hillel avait 80 élèves. Parmi eux, deux élèves brillants. Le dernier, c'était Yonatan ben Uziel. Yonatan ben Uziel pouvait arrêter le soleil, comme il a fait Yoshua. Chacun parmi eux pouvait arrêter le soleil s'il voulait. Tellement c'était des serviteurs de Dieu. Et un serviteur de Dieu, quand il décrète quelque chose, l'Éternel accomplit. Maintenant, ce rabbin-là a écrit un commentaire. Pirouche Yonatan ben Uziel. Et il dit, quand Yaakov, il dit, Hamalach haroe oti, l'ange haroe, roe, ça veut dire nourrir. Nourri. Ça veut dire que tout ce que j'ai mangé, je savais qu'il y avait un ange dans chaque aliment, dans chaque fruit, dans chaque chose, aliment que je mangeais, je savais qu'il y avait un ange qui s'occupait, qui gérait, qui tonifiait, qui donnait du désir, qui donnait de l'amour, qui donnait de la chanson à cet aliment pour grandir, pour se vitaminiser, pour s'énergiser, pour lui donner tous les caractères qu'on a besoin pour notre santé. Comme ça, explique Yonatan ben Uziel. C'est beau ça. C'est magnifique. Hamalach haroe oti. On le dit d'ailleurs dans l'action de grâce, nous lisons Avinu, l'Éternel, tu as créé le monde, tu as créé la nourriture, tu nous as nourris. Et nous disons comme ça, Avinu, notre Père, Zonenu, Farnesenu, Re'enu. C'est quoi Re'enu? Re'enu, ça veut dire Ro'e. Ro'e, ça veut dire alimenter. C'est lui qui nous alimente. L'Éternel nous alimente. Il dit à Malach, l'ange, je vous ai parlé, ça fait 2-3 cours, que chaque herbe a son protecteur qui lui donne toutes les vitamines qu'il faut. Alors maintenant, nous allons parler du romarin. Quelles sont la vitamine du romarin? Et avant de vous parler de ça, je voudrais vous dire qu'il s'appelle en arabe, oui, en arabe, nos sages, les rabbins,
de l'époque, il y a 300 ans, c'est un rabbin qui a 300 ans, qui a amené, comment il s'appelle? Il faut que je demande à des musulmans que je connais, que je côtoie, que je parle avec eux des fois, parce qu'eux aussi, ils écoutent les cours. Donc des fois, je les rencontre dans le marché ou dans le primeur, hein? Et c'est là où le primeur, c'est là où on vend les légumes, etc. Et c'est là où les prix meurent. C'est-à-dire qu'on essaye de discuter ensemble et chacun a juste pris, il essaye de dire que la religion à lui, elle est belle, elle est magnifique. Et moi, je dis non, mais il faut comprendre ça. Pourquoi ça? On discute ensemble, car de la discussion jaillit la lumière. Voilà comment il s'appelle Hatzel Ben. Voilà comment il s'appelle. Et après, qu'est-ce que je fais avec ça? Sauf que ce que je vais avec ça, c'est que la numérique de ça, c'est 181. Je pense que vous êtes habitué à mes cours, que chaque chose, chaque événement, anecdote, tout ce qui nous arrive dans les épreuves, notre prénom, le prénom de le partenaire qui est avec nous, de nos enfants que nous avons donné, que Dieu a décidé dans notre bouche de donner, il a une racine. Malachi, archange, sûr et certain. Et ça se comprend par l'expérience des lettres que possède le prénom de telle personne. Et cette personne, elle a une force par la lettre de ça et la lettre celle-là. Et il y a des lettres de feu, il y a des lettres d'air, il y a des lettres d'eau, il y a des lettres de terre. Il nous faut combiner l'un avec l'autre pour connaître le poids, le dosage. Pourquoi tu es trop énervé? Parce que tu as des lettres de feu plus grandes que celles de l'eau. C'est la raison pour laquelle le feu qui est en toi, il brûle complètement l'eau, il le fait évaporer. C'est pour ça que tu as des fièvres, tu as des migraines, tu as tout ce que tu as. C'est à cause de l'équilibre des quatre éléments de base, fondamental ou fondamentaux. Mais ce qui est extraordinaire, c'est ce chiffre 181. Et ce chiffre, si je dois discuter de ce chiffre kabbalistiquement, c'est un chiffre qui est composé par trois prénoms du nom de Hachem Itbarach. Le nom de Hachem. Kouf Pe Alef Kappa 180. Très, 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 très puissant. Donc, le romarin, si on voit. Avec ça, c'est Hatzel Ben, pour l'instant. On va analyser déjà ce nom. Et la correspondance, c'est celle-là. Qu'est-ce que j'ai dit hier, avant-hier, que ce soit en français ou en hébreu, que le milieu de la Torah, 304 805 lettres, elle commence par la lettre Bet, Bereshit, elle termine par la lettre Lamed Israël. Mais le milieu du mot de la Torah, c'est celui-là. Gehenra. Gehenra, ça veut dire tu rampes sur le ventre. J'ai expliqué que toutes les maladies mortelles commencent par l'estomac, par l'intestin. Et c'est là où nous faut guérir. Mais ce qui est magnifique maintenant, c'est que celui-ci, c'est le plus grand guérisseur de tous les maux, M-A-U-X, de toutes les pathologies, tous les tahaloïm, les maladies, les marovim, c'est-à-dire les douleurs. C'est celui-là. Voilà. Hatzel Ben. C'est incroyable. Alors bien sûr, si on peut faire des mélanges avec la rota, hein, alors là, c'est incroyable. C'est encore plus grand. Mais ça veut dire que celui qui va guérir notre estomac, le gahan, c'est le serpent. Le serpent, c'est lui, l'estomac. C'est le premier cerveau du corps humain. Quelqu'un dit que c'est la bouche. Non, la bouche, c'est juste un vestibule. Un vestibule, tube oral, c'est-à-dire vocal, qui fait passer la nourriture. Mais. Tu te rassasies pas ici. C'est ici, quand elle descend là, tu te rassasies. Et l'estomac, combien il est important. Pourquoi? Parce que le Gehon, c'est-à-dire c'est l'estomac, les Me'aïm, c'est-à-dire
le microbiote, ce qu'on appelle. En fait, c'est lui le distributeur pour tous les organes essentiels, urgents, toniques du corps humain. Que ce soit le cœur, la rate, le foie, les reins, tous les poumons, ils sont là. Al-Gehondra, c'est beau, beau, beau. Pour ça qu'il y a un des grands professeurs, il a dit quelque chose, il a dit que si je dois être accompagné toute ma vie avec une plante et je vais dans des déserts et j'ai besoin d'une plante pour vivre avec de l'eau, pour chauffer et cuire et faire des infusions, je choisirai Hetzelben. C'est là. Le romarin, romiro, rosmarine en hébreu, romiro en arabe. D'accord, romiro, ça ressemble un peu à romarin. C'est un mot qui est emprunté. D'accord? Mais c'est magnifique, ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans dans ce romarin? Nous allons tout de suite commencer les 52 ségoulottes. Et c'est magnifique, ça. Je vais commencer de suite parce qu'il y a beaucoup à dire. Et Alva et que Hachem Ibarach, Amalach, Goel, Oti, Mikora, Ibarach, et Anerli. Amalach, Haroé, Oti. L'ange du romarin, c'est celui qui me nourrit. Donc, je fais cette bénédiction. Et avant, bien sûr, comme j'ai dit hier et avant-hier, avant de consommer n'importe quelle infusion, na, s'il vous plaît, levarer et akadosh baruch hu, c'est de bénir l'Éternel, source de bénédiction, afin qu'il envoie sa bracha, il envoie le shem kadosh, le nom saint, dans la nourriture, pour qu'elle me fasse du bien dans mon microbiote, qu'elle ne fasse pas du mal à l'intérieur de mon estomac, de mes intestins, que la digestion se fasse rapidement, la distribution des cellules, des molécules qui nourrissent les organes essentiels, le cœur et le foie, les reins, le poumon, le pancréas, la rate, tout ça, il faut toujours quelques petits mots de remerciement à Hachem Ibarach. Je vais vous lire ici, je vais traduire simultanément sans lire l'hébreu, afin que vous soyez comme ça rapidement saisis et compris. Donc le romarin, en hébreu, s'appelle Hatzelben. Comme je l'ai marqué ici. Il s'appelle aussi Azir. Azir. Alors, ça dépend de quel côté est-ce que c'est. On parle de l'ouest, l'arabe. Arabe, c'est le monde arabe. Ouest ou le monde sud. Est. Mizrah, ma'arav. Alors, il y a qui l'appelle Hatzelben, il y a qui l'appelle Azir. Comme ça, il s'appelle. Juste une petite précision. Que s'il s'appelle Azir, c'est la valeur numérique 218. 218. C'est un chiffre, ça? Atsum. Mais c'est aussi un chiffre qui correspond avec la rota. Parce que la rota, en fait, c'est la valeur numérique de 216, comme la valeur numérique Arié, le lion. Mais elle, celle-là, elle a deux forces plus qu'elle. Comme si on disait Bérota, avec la rota, 218. Elle, cette plante, le romarin, a la force de 218. Mais haute. Je vous expliquerai ça en profondeur par la suite. Maintenant, je continue. Il dit donc, cette plante, romarin, Hatzalban, Azir, il y a qui l'appelle ailleurs. J'ai vu dans un livre qu'ils appellent, et je dois demander d'ailleurs à quelques amis à moi, il s'appelle Khalil. Khalil. Ça veut dire Khaf, Lamed, Yud Lamed. Khalil. Comment ça s'appelle? Je pense que je prononce, j'espère que je le prononce bien. Le Khalil. C'est magnifique. Le Khalil. Ça veut dire Khalil. Khalil. En hébreu, Khalil, ça veut dire il y a tout dedans. Tout. Dans cette plante, Khalil. Elle est entièrement, elle est complète dans ses bienfaits curatifs médicinaux. Nous allons expliquer. Il dit donc,
Elle est entièrement, il le dit après, chez Colorifo Otus Gulot. Cette plante, elle est entièrement complète de vertus médicinales, etc. Il cite un livre et un deuxième livre, je ne vais pas rentrer dans ça. Et il dit comme ça, le romarin, prenant d'abord la texture tivéite, c'est-à-dire naturelle, de cette plante. Comment elle est? Est-ce que vous avez touché un jour la feuille, la branche, ce sont des branches en fait, de romarin? Voilà, vous les voyez là, ils sont là, avec des fleurs d'une couleur violette. Et cette couleur violette, elle vient guérir tous les toxines qui veulent violer votre santé. Et quand vous avez une bonne santé, vous allez jouer du violon et chanter à Hachem, merci Hachem, Idbarach. Cette couleur, elle est spéciale. Elle est spécifique. Ce n'est pas une couleur or comme la rota. Vous voyez que l'ange, écoutez ce que je vais vous dire, que l'ange qui s'occupe de celle-ci, il a une couleur argamane. J'expliquerai après, comme le bleu ciel, bleu azur. Bleu azur, comme le terrelet, pas argamane, comme le terrelet, bleu azur. Le terrelet a un ange qui le protège, qui le germe, qui le fait pousser pour constituer des vêtements, etc., etc. Cette plante-là, elle est majestueuse par cette couleur très rare. Elle ressemble à une pierre précieuse dont je parlerai par la suite, qui guérit beaucoup d'anxiété et qui est tonique pour la circulation du sang dans tout le corps humain. J'expliquerai ça avec la dachée. Donc, il dit que la texture du romarin, elle est chaude. C'est une texture qui est chaude parce que vous avez des plantes qui sont froides. Celle-ci, elle est chaude, mais elle est sèche. Elle n'est pas humide. Sauf si, bien sûr, on la mouille. Alors, il faut savoir que je vais m'arrêter là parce que lui, il ne parle pas de ça. Il faut savoir que le romarin n'aime pas l'eau. Vous avez des romarins de jardin que l'on fait pousser dans nos jardins et vous avez des romarins sauvages qui poussent dans les caillasses, dans les rochers. Vous pouvez trouver une racine de romarin enfouie entre deux rochers et qui reçoit là-bas, il n'y a pas de parasol, il n'y a rien, qui reçoit du soleil et elle reste forte. Elle a un tonique très spécial, très très spécial. Elle n'aime pas des terres grasses, elle n'aime pas les terres mouillées, elle aime les terres sèches et avec des cailloux. Voilà, avec des cailloux. Ça vous fait rappeler quel arbre ça? Je vous demande à vous, vous allez me répondre. À quoi ça correspond cette texture, comment on va appeler cette vie? D'accord, c'est les mœurs, la vie de du romarin, de vouloir un sol rocailleux, sec, dur, avec le soleil, elle n'aime pas beaucoup d'eau, il faut l'arroser un peu, pas beaucoup. Mais si elle est sauvage, elle pousse sauvagement. Elle ressemble à l'olivier. N'oubliez pas que l'olivier n'aime pas beaucoup d'eau. L'olivier, il pousse dans la chaleur et ses feuilles, elles restent fortes. Et sa racine, elle est plantée dans des endroits où la terre, elle est sèche complètement, où le soleil frappe avec une vitesse vertigineuse et tous les jours, et tous les jours, et tous les jours. Ce qui veut me dire cela, les ressemblances, c'est qu'en effet, nous pouvons associer ces deux plantes par la suite, qui est la plante du romarin, avec les feuilles de l'olivier, faire une sèche, c'est mieux sec, qu'on fait sécher, et on les mélange, on fait une tisane très, 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 très bien pour le diabète. C'est très bon pour enlever toutes les toxines, les parasites qu'il y a dans l'estomac.
favoriser la digestion, avoir des selles molles, et que la distribution des enzymes qui sont positives et nourrissantes, énergétiques, le cœur et tout le microbiote, et surtout ne pas affecter, irriter l'intestin, parce que de là commencent tous les cancers du côlon et de tout, etc. Ça, c'est deux plantes. Rappelez-moi que je dois parler de ces deux plantes dans leur numérique kabbalistique pour trouver le malach, l'ange qui s'occupe des deux quand on les mélange les deux. C'est très important, ça. On continue. Donc, c'est une plante qui est sèche, comme l'olivier. Elle est sèche et elle est chaude. Elle est très chaude. L'olivier, c'est chaud parce que faut, pour fabriquer de l'olive, l'huile, l'olive, quand vous le touchez, quand vous le mangez, même quelques gouttes, vous le sentez chaud à l'intérieur de lui. Il peut guérir des cancers. Il peut guérir des arthrites ou du rhumatisme froid, de cri-route. Il peut guérir le rhumatisme mâle. Il peut guérir, surtout maintenant, dans l'époque où nous sommes, dans l'automne, et puis à plus forte raison, il y a des sinusites, il y a ce qu'on appelle des rhumes avec des glaires épaisses qui sont fabriquées par les poumons parce qu'ils n'arrivent pas à bien respirer, à aérer. Tout ça, nous allons parler avec l'aide de Hachem. Donc écoute, il dit la chose suivante. Mehazek. Donc cette plante, elle est tonus, elle est tonique, elle fortifie tous les membres intérieurs et les membres extérieurs du corps. Donc elle fait les deux avantages. Premier avantage, c'est celui de l'intérieur, et deuxième avantage, celui de l'extérieur. Nous allons expliquer. Il enlève tous les liquides qui sont mauvais dans le corps, qui sont mauvais, haram, qui sont mauvais et qui sont froids. Il y a des liquides à l'intérieur, des glaires à l'intérieur, qui sont froids, sont mauvais, ils sont empoisonnés et qui nous empoisonnent la vie et qui circulent après dans le sang et qui bloquent toutes les articulations, etc., etc. Et ça, cette force de cette plante, c'est par sa chaleur et pas par sa sécheresse, elle a les doubles fonctions, elle enlève tout ce qui est froid et elle assèche toutes les glaires qui sont. Quand ils sortent de la gorge ou quand ils sortent du nez, ils sont des glaires, il faut acheter du mucomyste. Hein? Vous connaissez ce médicament, c'est une poudre qui est rouge et la texture, elle est comme des granulés. Cette granulée-là, on la boit et on liquéfie les glaires, etc. Tu n'as pas besoin de ça aujourd'hui. Prends cette plante qui est le romarin, tu fais des bonnes infusions, nous allons expliquer le dosage, etc., les mels. Et après, on verra avec l'aide de Hachem comment on va continuer cela. Mais Hazek, donc, il fortifie tous les membres intérieurs, extérieurs, il enlève tous les glaires et il fait quelque chose. Je n'ai pas commencé les 52 posologies. Pas encore. Pas encore. Seulement, ça, c'est un livre qui est plus haut. Donc, il amène ce livre. Donc, je profite de vous dire comme un emblème, tu vois. Un emblème. Il dit quelqu'un qui est troublé dans son cerveau. Il a son cerveau qui est mi'urbab. Ça veut dire il fait des confusions. Vous avez beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes avec le stress, avec les accouchements, avec l'éducation, tabarakallah, comme on dit. Il y a beaucoup de choses dans la maison à faire. Elles sont troublées, elles ont des pertes de mémoire. Et elles ne savent pas des fois qu'elles font. Comment fortifier le moi? Ce cerveau-là et ramener la stabilité du métabolisme du cerveau grâce à cette plante. Nous allons voir comment est-ce que par l'odorat, là il faut prendre l'essence même, soit l'huile essentielle parce qu'elles sont très puissantes, soit les extraits, ou soit par la fabrication à base d'huile d'olive. Comme on va expliquer par la suite, c'est de prendre des feuilles, des branches de romarin,
bien les laver, bien les laver, enlever les feuilles. Il ne faut pas laisser les branches, elles sont trop amères. On peut faire avec la racine et les branches d'autres remèdes. On peut. J'ai un souci par rapport au foie. Le foie, il a besoin d'amertume. Ça, on peut faire avec les racines, avec les branches elles-mêmes, quelque chose pour le foie. Quelqu'un qui a le foie très malade, quelqu'un qui a le foie trop gras, le foie rempli de calculs, nous pouvons créer une recette avec ça. Ce n'est pas le moment maintenant, mais les feuilles, nous coupons les feuilles, nous les lavons bien comme il faut, si c'est possible, avec du bicarbonate ou du citron. On lave les feuilles, on les fait sécher un petit peu, on les laisse dans les endroits humides, frais, pas au soleil, parce qu'elles perdent leurs vitamines. Et puis, on les met dans l'huile d'olive pure et on les laisse là-bas 40 jours. 40 jours, nous pouvons faire cela, les laisser dans un placard humide, pas trop humide aussi, jusqu'à ce qu'elles macèrent. Et tous les 3-4 jours, vous venez, vous prenez une petite louche et vous remuez afin que les enzymes, les parfums, tous les cellules, les molécules bénéfiques, ils se mélangent ensemble. Comme ça devient bien. Et après les 40 jours, on peut se servir en filtrant, par exemple, l'huile, le recevant dans une bouteille, comment on appelle ça? Les feuilles, vous pouvez les consommer. Je vais parler de ça tout à l'heure. Vous pouvez les consommer après chaque repas. Ça donne des vitamines au corps insoupçonnées. Je vais vous expliquer ça avec l'aide de Hachem. Maintenant, donc il fait ça aussi. Une personne qui a de l'anxiété, elle a la Eït Savon, on appelle ça la Eït Savon, la Atzmout. La Eït Savon, elle est toujours amère à l'intérieur de ça. Elle boit une infusion du romarin et ça, son anxiété, elle commence à disparaître. C'est phénoménal comme fruit de Hachem. Et le Malach, l'ange, qui est tellement lui-même une bénédiction, ce Malach, dont on ne développe pas. En fait, c'est le Shem Kouf Pé Aleph, hein? C'est ça. Il fallait trouver ça pour trouver ça. C'est le coupé Aleph qui guérit Al-Gihoncha, qui guérit le serpent qui est à l'intérieur, le virus. Ce sont les toxines, ce sont tous les parasites qu'il y a dans le corps. OK? Donc, il guérit l'anxiété. Maintenant, il guérit aussi ce qu'on appelle les douleurs du cœur et ce qu'on appelle l'étourdissement du cœur. Vous avez des personnes qui s'évanouissent. Mit'alfim, on appelle ça en hébreu. Mit'alfim, ça veut dire s'évanouissent. Ils tombent par terre. Le romarin, avec cette, il y a, dans le romarin, dans chaque plante, il y a quatre choses. La première, c'est la racine. La deuxième, c'est la branche. La troisième, c'est les feuilles. Et la quatrième, c'est la feuille. C'est-à-dire la fleur. Pardon. La fleur. Dans chaque plante, racine, branche, feuille et la fleur. Ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est qu'en fait, c'est le nom de Hachem, Yud Ke Vavke, quatre lettres, et c'est le nom aussi de Aleph, Dalet, Nun Yud, l'ADN, Adonai. C'est quatre lettres. Chaque lettre dirige, une lettre, elle dirige la fleur, l'autre, elle gère la feuille, l'autre, la troisième, elle gère la branche. Et la quatrième, elle gère la racine. Dans tout arbre, c'est comme ça. Pour dire que c'est Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, source de toute influence bénéfique, c'est lui qui a créé le monde. Point à la ligne. Donc, si quelqu'un, il a un problème de cœur, il a un affaiblissement de cœur au point où il s'étourdit, pour ne pas arriver à un infarctus, etc., on prend des tisanes de romarin. On verra par la suite avec quoi on va les mélanger. Maintenant, ce que nous allons faire maintenant, c'est dire une à une. Et vous pouvez noter chacune, vous pouvez réviser le cours avec. Voilà, je commence. La première, c'est Goula, c'est-à-dire remède.
Il dit comme ça, les feuilles, je traduis simultanément, hein, les feuilles multiples du romarin, si une personne les mange le matin avec du pain et du sel, je répète, les feuilles, c'est-à-dire fraîches, fraîches. Il les mange une personne le matin avec du pain et du sel. Il renforce le mental. Il renforce l'esprit. Il renforce toute la partie du haut du corps, de la tête. Il la renforce. Les neurones, tout le métabolisme du cerveau, les neurotransmetteurs, toutes les cellules qui communiquent l'une avec l'autre, la gestion, elle se fait tous les matins en consommant des feuilles de romarin avec du pain et du sel mélangé, d'accord? Ça pour la tête, pour avoir un bon mental, comme on va expliquer par la suite. Aussi, une bonne vision. Celui qui a des yeux très faibles, il ne voit pas clair, il ne voit pas bien. Le romarin, grâce au pain et au sel, à ce mélange des trois ingrédients, il renforce la vision, la vue. Et aussi, il embellit le visage. Il embellit le visage. Pourquoi? C'est très simple. Étant donné que le cerveau est maintenant bien aéré, il est bien boosté, il est bien clair, automatiquement, le visage qui reçoit les vitamines du cerveau va être bien éclairé, les yeux vont être bien éclairés et son visage bien éclairé. Voilà une posologie qui peut servir beaucoup pour les femmes, parce qu'elles cherchent toujours à être belles et c'est normal. Une femme, elle est là pour être celle qui va amener les enfants au monde, celle qui va embellir la maison et celle qui va s'embellir elle-même. Parce que Anisha, elle a Léofi. La femme, elle est là pour s'embellir, elle est belle. Ne te trouve pas laide devant le miroir. Si c'est le cas, ben, il faut que tu saches que tu es un vrai laide. Laide, ça veut dire celui qui est en haut là, qui dégage, qui émane, qui diffuse la lumière. La lumière, c'est le partage. D'avoir des enfants, c'est le partage. C'est ça la vraie lumière. C'est ça le vrai visage. Maintenant, si elles veulent embellir leur visage, voilà une ségoula pour de prendre du pain, de prendre du sel, de prendre des feuilles de romarin et de manger tous les matins. Il l'a dit, hein? Il l'a dit. Voilà, c'est clair. Première. Donc, qu'est-ce qu'il est en fait? Qu'est-ce qu'on voit de là? Que le romarin est une lumière. Voilà ce que je vois. Hein? Si il éclaire les yeux, il éclaire le cerveau, il le rend fort, il éclaire le visage de la personne qui la consomme, c'est qu'à l'intérieur du romarin, il y a de la lumière. Cette lumière, il faut savoir comment elle s'appelle. Donc l'ange de ce romarin est une vraie lumière. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que la fleur, couleur violette, indique une pierre créatrice de lumière qui, en fait, amène à la personne une clarté dans son esprit. Elle lui amène une clarté dans son visage. Pour tous ceux et celles qui la portent, parce qu'en fait, elle ressemble à cette couleur violette. Et quand une femme, par exemple, elle a été... comment on appelle ça? Elle a été molestée et violemment par quelqu'un. Ça peut être par ses enfants, par ses amis, par son mari ou le mari, pareil. Eh bien, elle doit porter cette pierre. Parce qu'on lui dit, oh, tu as un visage violet. Ouais, un visage violet. Elle porte le romarin sur elle. Le romarin, il a cette force là, dans la couleur des feuilles. Sont vertes. Améthyste, bravo. Je ne voudrais pas parler de ça maintenant parce que c'est l'améthyste, bravo. C'est la couleur violette. C'est la couleur de l'améthyste. Elle a
les comment on appelle ça, les propriétés, les fleurs, hein, je parle, les fleurs, hein, de l'améthyste, comme le romarin. Mais le romarin est en plus parce que la couleur à lui, elle est verte, la couleur de l'espoir, la couleur de tout ce qui est la gaieté, la joie. Nous allons voir avec l'aide de la chaîne. Donc, je répète juste la ségoula, la première posologie. Les multiples feuilles du romarin associées avec du pain et du sel tous les matins, en consommant cela, pour procurer à la personne, nous avons dit, le renforcement des cellules du cerveau, le renforcement de la vue des yeux et la beauté, l'embellissement du visage de cet être humain. Premier, c'est goulin. Deuxième, bête. Maintenant, la fleur. La fleur, si on prend la fleur, donc la violette, on la cueille avec les feuilles et on les pile, c'est-à-dire on les mixe. Vous avez un mixeur, vous prenez les feuilles, vous coupez en petits morceaux et les fleurs, vous les mettez dans un mixeur et vous les mettez entre la peau de votre corps et le tricot de peau ou le pyjama. La nuit, quand vous dormez, vous savez qu'il y a beaucoup des fois des pucerons. Une personne m'a appelé, et c'est bien, j'avais oublié cela. Une personne m'a appelé, elle ne supporte pas les pucerons. Elle ne supporte pas le bok, quand on appelle ça en arabe. Ce sont des petits cafards qui viennent dans les lits, cafards baïkar. Et on est terrifié avec ces cafards. Ils te montent dans le nez, ils te rentrent dans le nez, ils te rentrent dans les oreilles, ils te piquent, etc. Comment enlever les moustiques, les cafards, les poux. Ça, c'est extraordinaire. Les poux. Donc, en prenant la fleur avec les feuilles, les mixer, les rendre en poudre, les mettre sous son tricot de peau sur la chair. Alors, il dit, tout cela, tous ces paraouchim et ces ces puces et ces poux, ils se sauvent. Ce sont trois endommageurs que personne ne supporte. D'accord? Et en plus, pour autre chose, maintenant, vous allez me dire qu'on n'a pas tout ça dans nos maisons. Aujourd'hui, les maisons sont fraîches, les maisons sont clean. On lave les draps, on lave les... Il y a maintenant des grands, comment on appelle ça, l'intoxicide, qu'on envoie, l'insecticide, qu'on envoie, tout ça. Et le soir, on n'a pas envie de mettre ça. Ouais, il y a des moustiques, des pucerons, il y a tout ça. Il y a des poux sur la tête. Comment on fait? Il n'y a pas de poux, qui n'y a rien du tout. Ça va servir à quelque chose d'autre. Si on prend la fleur et la feuille, on la mixe et on la rend poudre et on la met ici, dans ce côté-là, là, et sa main est à l'aise, fait réjouir le cœur. Ça, vous ne trouverez jamais ce que je viens de dire maintenant dans les vidéos. Aucune des vidéos que vous cherchez, vous n'allez pas trouver qui vous dit ça. Ils vous disent c'est bien pour l'articulation, pour la circulation, pour le foie, pour ça, tout ça. Ils te disent tous les ingrédients qu'il y a dedans, les vitamines qu'il y a dedans. C'est des noms médicaux. Bon, non, il faut étudier tout ça. Mais voilà, c'est un livre, il a 300 ans. Donc, il a répertorié ici des choses merveilleuses pour nous. Donc, c'est quelqu'un, par exemple, il a des poux. Vous savez, les enfants, des fois, ils reviennent de l'école, ils sont partis dans des vacances, ils reviennent remplis de poux, ils se grattent, etc., etc. Comment enlever ça? Il y a des produits. Ça coûte cher et c'est pas sûr. Mais aussi, pire encore, c'est qu'il faut mettre le henna dedans, il faut mettre à l'intérieur le produit, il faut mettre des plastiques, il faut dormir avec. Et avec ça, c'est magnifique. Maintenant, il faut essayer. Je vous dis la vérité, on n'a pas encore essayé. Mais le rave, s'il a dit ça, c'est qu'il a fait l'expérience. Sinon, il ne l'aurait pas dit. Vous croyez qu'un auteur qui n'est pas à la hauteur, il va nous décrire des choses qui ne sont pas à la hauteur?
qu'on n'a pas besoin, jamais de la vie. Donc, c'est sûr et certain qu'elles peuvent te réjouir ton cœur. Et s'il y a au moins des poux ou des pucerons dans les lits, dans la chambre, le fait de les mettre, elles se sauvent. Tous ces pucerons se sauvent, les poux se sauvent. Sûrement par l'odeur où il y a une efficacité. Justement, l'odeur et les couleurs violentes. Et ils n'aiment pas ça. Voilà donc la deuxième. La troisième. Lorsqu'on prend les feuilles qui sont bien moulues, écrasées, d'accord, on peut les mettre sur des plaies, sur des contusions. Il y a des fois une personne qui a des plaies, qui est dans la main, ou qui a dans les jambes, ou qui a dans le ventre, etc. Prendre les feuilles qu'on a bien écrasées, qu'on a rendues en poudre, oui, et on les met sur ces plaies-là, il peut les guérir. C'est-à-dire que la force du romarin, c'est qu'il cicatrise, si je comprends bien ce qu'il veut. Il ne parle pas de cicatrisation, mais c'est ça qu'il veut dire, que les plaies, des fois, elles sont ouvertes. Il y a du pus qui sort. On prend un peu de feuilles, même fraîches, et on les compile, d'accord? On les moue, on les mixe, et elles restent un peu humides. On les pose comme une tarbochette, un pansement sur la plaie. Bien sûr, si on le refait un peu tous les jours, la plaie se referme. Voilà. J'ai peut-être appris de là quelque chose. Si quelqu'un, il a des rides dans son visage, oui, ça peut avoir, on a tous des rides dans le visage, on peut constituer à base de la feuille de romarin une crème pour amoindrir la profondeur des rides. Ça peut être comme ça. Et à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, ça, c'est bien pour les femmes, bien sûr. Les femmes, c'est elles qui doivent s'occuper de ça. Les hommes ne s'occupent pas de M. Botox ou Mme Botox. Ils doivent s'occuper du romarin pour d'autres inconvénients ou pathologies. On a fini le troisième. Je reviens, on le fait moudre comme il faut et on le pose sur les plaies. Ça cicatrise la plaie et ça la guérit, bien sûr, en faisant ça plusieurs jours. Maintenant, la quatrième ségoula. Il dit comme ça, la fleur violette, cette fleur. Donc, il faut soigneusement, si vous rencontrez un buisson comme ça, de romarin, ça se trouve, ça pousse seul comme la rota, pareil, comme la rue. Bon, attention, cueillez énormément de fleurs et gardez-les. Gardez ces fleurs. La première des choses, avant de s'occuper de la feuille, prenez déjà, sélectionnez soigneusement la fleur de l'arbre et n'arrachez pas à l'arrache. Parce qu'après, on abîme la nature de Dieu, on abîme l'arbre et l'année d'après, ou la saison d'après, il ne te donnera pas les mêmes fleurs avec des couleurs vives, les couleurs que vous avez ici sur mon image, là, mon graphisme. Elles sont tellement extraordinaires. Et donc, vous gardez ces fleurs. Alors, je suis dans la quatrième posologie. Hapera, c'est-à-dire la fleur. Si il le mange le matin, à jeun, avec du miel et du pain chaud. Donc, je prends la fleur. Donc, cette fleur-là, elle est sèche maintenant. Ou si elle est fraîche, il faut bien la laver, la sécher un petit peu et la mélanger avec du pain chaud et du miel. Vous mélangez ça, le miel, fleur violette, du romarin, le pain chaud. Il renforce tout le métabolisme, il rend une immunité du métabolisme pour le protéger, parce que cette plante-là, à part qu'elle est guérisseuse, elle est aussi protectrice. Veishmor oto minatzina, elle le protégera du rhume, du froid, d'accord ?
des ulcères, des plaies, de la lèpre, la gale. La gale. Ni la gale, ni les ulcères, ni le rhume ne pourront s'approcher de lui. J'explique mot à mot. Hein. Et si une personne a ses lacunes, il a justement ses maladies, eh bien, le fait de prendre la fleur violette, la mélanger avec du miel et avec du pain chaud, la manger, ça donne une immunité d'un métabolisme qui fonctionne normalement avec des vitamines qui repoussent toutes ces maladies. J'ai appris de là aussi que s'il a de la gale, ça, c'est des boutons sur le corps, etc., qui nous font gratter, je pense que ça peut aussi guérir ces petites maladies. D'accord ? Ce n'est pas dangereux, mais ça fait souffrir la personne parce qu'elle gratte, etc. Puisque je parle de ça, la rota, la rue, lorsqu'on fait une infusion, comme une tisane, on boit ce qu'on peut boire, le reste, ne le jetez pas. S'il y a des fois des boutons dans le corps humain, il y a des fois des boutons, lavez-vous avec ces boutons, vous verrez qu'ils vont sécher à plusieurs prises, plusieurs lavages, vous allez voir que les boutons vont sécher et après vont disparaître. La rota. Elle a les mêmes effets que le romarin. Celle-ci, elle est parfumée, celle-ci, elle est parfumée. Vous pouvez le faire. J'ai ajouté ça, c'est indispensable de l'ajouter. Je voudrais que chaque chose que je dis, j'aime relier approximative, hein, des choses qui se ressemblent. Voilà donc la quatrième. Nous avons fini la quatrième. Cinquième. Les feuilles qui sont cuites dans du vin blanc. Nouvelle recette. On prend du vin blanc, on prend les feuilles de romarin, on les fait cuire à l'intérieur. S'il les met sur son ventre, après le nombril, d'accord, le nombril est là. On pose cela comme il sera. Je ne vais pas boire, je vais juste poser sur la peau en bas du nombril. D'accord ? Il dit, cette posologie, cette recette, elle lave l'utérus de la femme pour renforcer, écoutez ça, le placenta, lui donner la force pour recevoir une grossesse. Ah, ça, c'est pas marqué dans nulle part. Je répète, waouh ! Il y a beaucoup de femmes qui se sont arrêtées, par exemple, de tomber enceinte. Et elles désirent tomber enceinte. Elles veulent être maman, quoi. Elles veulent donner la vie, elles veulent partager avec leurs enfants. Qui peut aider cela ? Prendre donc les feuilles cuites à du vin blanc, posées sur le ventre vers le bas, proche du utérus. D'accord ? Et avec ça, elles peuvent guérir parce qu'elles donnent une force à la femme et elles lui donnent pour avoir, Hashem, recevoir un enfant. C'est magnifique ça. 6. Les feuilles du romarin cuit avec du vin blanc. Si quelqu'un a un problème, il a ce qu'on appelle une rétention d'eau et il n'arrive pas à évacuer l'urine. Donc c'est un diurétique. Il boit ça et tout le chétain, c'est-à-dire l'urine, descend vers le bas. Une personne, elle n'arrive pas à aller aux toilettes à uriner. Ça, c'est une grande souffrance. Il prend des feuilles cuites avec du vin blanc. Il les met sur le ventre. Et s'il est constipé de cette urine, miyad,
rapidement, il va aux toilettes. C'est magnifique, ça. 7. Une personne qui a des hémorroïdes. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'hémorroïdes. Ils ont mangé de la harissa, ils ont mangé du poivre noir, ils ont mangé beaucoup, ils ont mangé des piments forts. Puis ça rentre bien, mais ça sort très mal. On souffre de ça. On aime ça dans notre nourriture. Hein? Nous, les pieds noirs, on aime ça. OK? Mais après, on voit le noir par la douleur. Terrorisme, on appelle ça. Comment apaiser cela? Il dit, s'il prend donc les feuilles de romarin, il les fait cuire dans du vin blanc, convenablement, c'est-à-dire il les laisse une demi-heure. Quand il dit convenablement, ça veut dire au moins une demi-heure, les faire cuire dans du vin blanc. Et il les pose chaudes, comme ils sont, avec leur eau et le... On peut les mettre, par exemple, dans un pansement, dans une serviette blanche, une serviette fine, bien sûr, blanche. On met tout dedans et on les pose sur les hémorroïdes. On fait ça 3 fois par jour. Et le 3e jour, ce monsieur est soulagé et la texture des feuilles, donc l'essence, le jus qui est créé par le vin et le jus des feuilles de romarin vont assécher l'hémorroïde. Parce que tant qu'ils sont frais, tant qu'ils sont vivants, ils font mal. Mais ça a en fait un effet de cicatrisant, si je veux bien comprendre, c'est ce qu'il veut dire. Il cicatrise. Je vois aussi que le vin blanc est aussi une propriété médicinale énorme. Mélangé avec le romarin, avec l'ange du romarin, il bouche. Il fait assécher la plaie des hémorroïdes. C'est bien la préface que je vous ai faite tout à l'heure, c'est que la plante du romarin, elle est en même temps chaude et en même temps sèche. Parce que sa productivité, c'est pour assécher les plaies. Lorsqu'il y a une plaie, un bouton, etc., elle cicatrise. Comment on cicatrise des choses? C'est quand on assèche le site où se trouve la molécule vivante et on la tue avec ça. En fait, elle tue les virus. C'est un antivirus parce que vous le savez très bien qu'il est un des plus grands et plus forts et meilleurs antioxydants. Antioxydant, le meilleur, un des meilleurs, c'est celui qui se trouve dans le romarin. Voilà. C'est antivirus, il fait sécher les hémorroïdes. C'est magnifique ça. Ce que je viens de lire maintenant, je viens mieux le comprendre moi-même. Il dit, il est guéri, il les fait sécher. C'est une plante qui est chaude et sèche. De là, on comprend quelque chose. Que lorsqu'il y a une maladie froide à l'intérieur du corps, et cette maladie froide, elle est en même temps froide, et elle est en même temps liquide, elle est vivante, elle est humide. C'est quoi le contraire pour la guérir? C'est un produit, c'est un remède naturel qui est chaud et en même temps sec. Parce que le fait qu'il est sec, comme une pierre, d'accord, comme la poussière, il va assécher la vivacité de la plaie et il va détruire le virus qui est à l'intérieur de lui. Bien sûr, par l'antioxydant qu'il possède. Comme ça, je comprends à peu près. Si vous comprenez quelque chose d'autre, tfaddal, baruch abba, dites-le vous aussi. Aujourd'hui, je ne me suis pas tellement penché pour comprendre quelles sont les molécules qu'il y a dedans. Je ne suis pas un médecin, je vous l'ai dit déjà. Mais ce que je peux dire, c'est qu'elles ont un effet tellement miraculeux. Maintenant, nous sommes à Het. Nous sommes la 8e. Maintenant, le romarin, lorsqu'on le
cuit dans de l'eau bien comme il faut, et on le lave avec, on se lave avec, alors il atténue la froideur et la fraîcheur du corps humain. Vous avez des gens qui sont frileux. Même en été, ils sont frileux, ils tremblent, ils ont froid. Et le froid, en fait, il ne vient pas d'en haut. Il vient à partir des jambes. La côté jambe, pas le côté genou, du genou vers le haut. Alors, on prend cette posologie. On prend donc du romarin cuit, d'accord ? On le fait cuire. On prend cette eau, on se lave la partie haute des jambes. Et c'est sûr et certain, il dit le rave, c'est une ségoula pour arrêter ce tremblement d'effroi, de froideur, comment on appelle ça. Voilà, ça va l'arrêter. Se laver bien comme il faut les jambes à partir du genou vers le haut. C'est là-bas, d'après lui, où se trouve en fait tout le socle ou la fondation de la force du corps humain. Si là-bas c'est chaud, là aussi c'est chaud. Alors c'est très beau, parce que ça va de pair. Puisque la plante elle est chaude, et plus la plante elle est sec, et quand il fait froid, donc il fait humide, elle vient assécher l'humidité pour arrêter cette criroute, cette froideur, cette fraîcheur qu'il y a dans le corps. Ça va de pair, c'est magnifique. La neuvième, s'il fait cuire les feuilles de romarin avec du vin. Il n'a pas parlé le vin blanc ou le vin rouge. Donc je pense qu'il parle ici du vin rouge. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait de ce vin-là, de cette recette, il fait de l'alcool. Il fait grâce à ça de l'alcool. Alors comment on fait de l'alcool avec ça ? Cela veut dire qu'il faut laisser, par exemple, si on met 3 verres de vin, oui, et on met des feuilles de romarin à l'intérieur, on le fait cuire, nous laissons les buées, la transpiration du liquide, par buée, monter, jusqu'à ce que le vin se réduit. Le vin se réduit, et à ce moment-là, je n'ai pas du vin, je n'ai pas du romarin, j'ai du romarin alcoolisé. Et ce romarin alcoolisé, je fais quoi ? Il dit, si je lave les plaies, par exemple, une personne a des varices. Oui, ça arrive. On a par exemple des varices, on voit les veines du corps humain sortir, même des boutons, des plaies, etc. On prend cette recette et on se lave avec. On fait ce qu'on appelle un miroir. Miroir, ça veut dire on se masse avec. Et bien, Azrat Hashem, les plaies vont sécher et ils vont guérir. Tout le but, c'est de toucher le sang qui s'est congestionné dans un site ici ou là, dans le corps humain, et grâce à cette plante qui est chaude et en même temps qui est sèche, c'est pour ça que j'ai répété ça, elle va fonctionner parce que le vin en lui-même, c'est le vin, il est sec et il est chaud. Vous le savez ça. Le vin, quand vous le touchez, on dit d'ailleurs le vin sec. Là, ça veut dire sec. Parce qu'il est chaud, il chauffe la tête. Donc les deux ingrédients, ils peuvent assécher l'humidité virale qu'il y a dans ses veines. Et avec ça, on peut faire disparaître le shéhin, les ulcères, ou bien la gale. Et il guérira. La dixième. Si une personne s'habitue à boire avant de dormir du romarin, ça veut dire une infusion. Mais aujourd'hui, il existe des sachets, on peut les dire, sachez-le d'ailleurs, qu'il existe des sachets, sachez-le, des sachets de romarin. Celui qui s'habitue à boire au moment du sommeil de cette eau-là,
Donc cette infusion, il dit, il acquiert une bonne mémoire. Il a une mémoire, un souvenir de fer. Et il guérit de plusieurs pathologies. Je traduis mot à mot. Hein. C'est magnifique ça. Ce qu'il vient de dire maintenant, c'est beau. Parce que, en fait, le cerveau se repose. On est en train de dormir. Il peut aussi calmer l'insomnie, comme je vais l'expliquer par la suite. Des personnes qui ont des insomnies ou qui ont des mauvais rêves, des cauchemars, nous allons voir deux façons comment on peut calmer tout cela grâce à la plante du romarin. Donc, boire avant de dormir, s'habituer avant de dormir, ça peut aider l'homme à avoir une très bonne mémoire. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, le romarin agit à l'intérieur du cerveau. Il monte et il établit le métabolisme qui devient fonctionnel alors qu'il était en désordre. Je vous ai dit tout à l'heure que quelqu'un qui a des troubles de mémoire ou des troubles d'oubli, etc., eh bien, le romarin, comme je l'ai expliqué, il redonne la lucidité du cerveau. C'est-à-dire, il fait éclairer le cerveau, fait éclairer la vision, il fait éclairer le visage. Mais ça ressemble un peu à ça. Nous sommes dans la 11e. Si on lave les enfants, il y a des enfants, on les lave tous les soirs, on lave les enfants. Et les petits, ils ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Si la maman ou le papa, lui aussi peut faire ça, lave les enfants avec de l'eau du romarin, c'est-à-dire l'infusion, ils grandiront sans aucune maladie. Vous écoutez ça? Ils grandiront sans aucune maladie. Et que leur peau, elle devient propre et sobre, elle est claire, elle est belle, et ils n'auront jamais, il le dit, hein, ils n'auront jamais un dommage dans leur chair, dans leur corps, la chair, la peau. Habituer les enfants à les laver avec, c'est pour ça qu'il faut, bien sûr, on va pas avec les sachets qu'on achète, ça coûte tellement cher, mais faire pousser à la maison, dès maintenant, si Dieu veut, il va y avoir les machtelot, c'est-à-dire les pépinières qui vendent tout ça. Il y a même dans des rues où il y a le lundi et le jeudi, ils vendent des pots. Allez-y directement chercher trois ingrédients. Le premier, c'est la rota. Le deuxième, c'est le romarin. Le troisième, c'est zata, c'est-à-dire l'origan ou le thym. Le thym aussi, c'est un petit peu pareil. D'accord? C'est magnifique. C'est incroyable. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a qui pensent que la vraie rota, écoutez ça, il y a qui pensent que la vraie, pardon, pas la rota, la vraie ésope, c'est-à-dire l'ésope, que donc nous on dit soit le thym ou soit le romarin, soit le, comment on appelle ça, l'origan, il y a qui disent qu'en vérité c'est le romarin. Oui, il y a qui pense c'est le romarin. Il y a. J'ai vu quelqu'un qui a dit ça, mais il est très, très singulier, quoi. Il est un des seuls qui dit ça. Mais en fait, nous allons consulter notre corps. Comment il va réagir après avoir bu toutes ces infusions, etc. Comment il réagit, le corps? Est-ce qu'il réagit bien? Parce que le meilleur docteur du monde, c'est son corps. Voilà. S'il réagit bien, c'est que c'est bon. S'il fait des béhilotes, s'il vomit, s'il a des nausées, tout ça, bien sûr qu'il ne faut pas toucher à telle et telle recette, même si on vous dit qu'elle est très belle, qu'elle est bien, qu'elle est ceci, cela. Maintenant, nous allons à Yudbet, c'est-à-dire la 12e. Il dit comme ça, lorsqu'il y avait des pestes, des épidémies, comme le coronavirus, il faut faire des encens à base, justement, des feuilles. Cette fois-ci, on peut prendre même les racines. On prend les racines, on arrache complètement une racine avec des branches et des feuilles, et on fait une encens et on fait fumer la maison.
Oui, au moment des pestes, des choléras et des virus, parce qu'ils circulent dans l'air, il faut savoir que cette plante, elle a une puissance de tu elle est antivirale, voilà, elle est antivirale et elle tue les virus qui se promènent dans l'air. Elle les repousse à l'extérieur. Et en fait, j'avais pris, quand il y avait le corona, que Dieu nous en préserve, j'avais pris beaucoup de romarin pour rester solide. J'ai pris du romarin associé avec de la cannelle. Ça, c'est un sode. C'est un grand secret aussi pour. Il faut trouver ce qu'on appelle la cannelle, c'est le cinnamon, cinnamon bosen. C'est la cannelle aromatique. J'ai pris ça et le romarin. Ça m'a donné une immunité, Baruch HaShem, contre le virus du corona. Donc, maintenant, on n'attend pas les pestes. Si par exemple, on sent dans la maison qu'il y a l'air qui est pollué, il y a un air qui n'est pas bon, on dirait qu'il y a des forces négatives autour de la chambre, autour les enfants, ils tombent, les enfants, ils pleurent, les enfants. Puis on ne perd rien du tout de prendre une bassine, de faire du romarin, de la mettre. Une bassine en fer, bien sûr, de la mettre dans la chambre et de laisser le bror, de laisser comme ça les encens circuler dans la maison. Vous allez voir comment ça purifie toute la maison. Même le Shalom Bayit, il peut s'arranger à cause de ça. Grâce à ça, je veux dire. Oui, le Shalom Bayit, oui. Parce qu'il y a une certaine sobriété, propreté qui se met dans la maison. C'est incroyable. Je voudrais juste ajouter. Que si on fait déjà des encens pour améliorer l'air de la maison, c'est mieux d'ajouter aussi quelques feuilles de la rue. Prenez des feuilles de la rue, même sec, mélangez avec le romarin, faites des encens, vous allez me dire quelque chose. Parce que les deux, c'est puissant, subatomique. Maintenant, la 13e. Le miel. Que l'on fabrique par les feuilles violettes, là, les fleurs du romarin, pardon. Donc, le miel fabriqué par des fleurs du romarin. Il dit, nous pouvons le mettre quelques gouttes dans les yeux, des yeux qui sont obscurs, c'est-à-dire qui sont voilés. Des fois, les yeux sont voilés et on est obstrué. Il y a comme une cataracte et on ne voit pas clairement. Prendre, ça, il doit peut-être exister déjà dans les magasins bio avec les huiles essentielles. Mais là, je ne parle pas de l'huile essentielle du tout. Je parle du miel fabriqué par des fleurs de romarin. Je suis sûr qu'il existe. Je suis sûr et certain. Et vous prenez quelques gouttes, vous mettez comme ça dans le visage, dans l'œil, et ça ajoute dans la vision. Et ça embellit, là il le dit maintenant, ça embellit le visage des femmes si ils se lavent avec. Moi, il dit ça. Je suis pas venu faire ici un cours cosmétique. Moi, je suis dans un autre cosmos, et je peins, je suis un cosmétique. Non, mais je suis en train de vous dire qu'est-ce qu'il est. Voilà, ça existe. Si ça existe, c'est magnifique. Ça sera très très bon, ça. Ça veut dire, voilà, c'est-à-dire le miel à base de fleurs de romarin. On peut laver son visage, ses yeux, il y a tout dedans. En haut, nous avons parlé de la tisane elle-même par les feuilles. Là, il parle d'autre chose. Mais non. Le jus, attends, donc le jus, c'est-à-dire la tisane, qu'on a fabriqué à base de feuilles de romarin. Si il met quelques gouttes dans les oreilles, vous avez des personnes, pour cause du froid, ils ont très mal à l'oreille, ils ont très mal au nez. Voilà un remède magnifique. Mettre quelques gouttes dans les oreilles, il enlève la douleur qui vient à cause du froid. Il guérit. Les plaies et
Et il guérit les, comment on appelle ça, les tolaïm, les vers, qui sont sécrétés dans les oreilles. Je ne savais jamais, moi, qu'il y avait des tolaïm, c'est-à-dire des vers. Ça doit être des virus, on les appelle les vers, les virus, ça, des parasites. D'accord? Eh bien, il y a dans les oreilles, il y a des bourdonnements, peut-être l'acouphène. Ce bruit-là que nous avons des fois, Ra'ash Gadol, ce bruit d'acouphène qu'on a, eh bien, le jus de l'infusion, nous pouvons mettre à l'intérieur quelques gouttes, guérir d'abord les douleurs qui viennent à cause du froid, et il peut guérir et tuer les vers, les virus qu'il y a dans les oreilles. Et s'il met quelques gouttes dans les narines, d'accord, il peut empêcher, diminuer la douleur de la sinusite et il renforce le cerveau. Parce qu'elle est là, d'accord? On a mal ici pour cause de la maladie du nez, à cause parce qu'il est enrhumé, il y a des glaires, etc. Il n'arrête pas de se boucher et c'est désagréable pour lui, pour les autres. Le soir, il a ici la gorge qui le pique parce que l'éclair, elle descend vers la gorge, il se met à tousser, il embête sa femme ou l'embête son mari, ses enfants, etc. Voilà une recette qui coûte rien du tout. Vraiment, elle coûte rien. On peut mettre des, comme ça, un petit vaporisateur et on envoie un peu de goutte là et on envoie un peu de goutte là et ça renforce le cerveau. Ça renforce le cerveau et le moah, le cerveau. 15e. Alors, ce qu'il va dire maintenant, je vais le sauter. Je vais la sauter, la 15e, parce qu'elle est compliquée à faire. Elle est très compliquée à faire. Je vais la laisser, peut-être pour la fin, si on a le temps. Parce que là, dans un quart d'heure, on va finir, si Dieu veut, que j'ai à faire une urgence à avoir. Maintenant, on va passer, en fait, à la 16e, mais en fait, c'est la 15e. Lorsqu'on prend des feuilles qui sont mixées, d'accord? Et on les met dans la bouche, ou même carrément, si on prend des feuilles de romarin, c'est pour ceux qui n'ont pas de dentifrice, ou même ceux qui ont des dentifrices, vous savez très bien que à cause ou pour cause, de la nourriture que tu manges, si par exemple il a mangé de l'ail, il a mangé des oignons, eh bien après il y a un remonté mécanique et la laine, elle est désagréable. Et vous savez combien de nonchalant baït peut avoir même du non-chidourim, c'est-à-dire il y a une personne qui m'a écrit sur messagère, elle m'a dit donnez-moi une recette, il y a fait 2-3 mois, je ne sais pas, je ne me rappelle pas, donnez-moi une recette pour enlever la mauvaise haleine de la bouche, parce qu'à cause de ça, quand je rencontre une personne, donc je ne parle pas si la fille ou le garçon, peu importe, je cache, je masque, quand je rencontre la personne que normalement je sors, il me dit qu'il y a une mauvaise haleine, et donc je ne peux pas me marier avec toi. Je ne peux pas, c'est impossible. Alors vous savez que les docteurs de la Mishnah ont parlé énormément de ça. Mais nous consommons des viandes grasses. Nous consommons des ingrédients, des aliments qui sont très forts en odeur, comme l'ail, comme l'oignon, etc. Alors, il faut faire très attention. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu ne vas pas empêcher quelqu'un qui aime ça. Donc, le matin, avec le dentifrice, mais ça ne va pas. Colgate, il ne peut pas te coller et te gâter. Colgate, même si tu es collé à lui, il ne te gâte pas. Combien de temps il va te gâter? D'accord, c'est pas un médicament, c'est pas une posologie qui, dès que le parfum de la menthe ou le parfum d'un autre produit qu'il y a dedans, il s'en va, la mauvaise odeur revient. Pourquoi? Parce que elle monte ici, elle monte de l'estomac, elle remonte. Alors comment faire? Il dit le rave, il prend des feuilles du romiro, romarin, d'accord? Et il les mâche de bon matin. Il prend un peu de feuilles. C'est une bonne idée de garder un petit peu dans la poche. Même quand il va au travail, quand il veut parler avec quelqu'un,
Il prend 5 minutes avant, il prend quelques branches, enfin quelques feuilles, et il les mange, il les mâche comme ça. Il les mâche et ça purifie la laine de la bouche. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Elles sont chaudes et elles sont secs et elles tuent les virus. Elles sont antivirus. Et donc ça enlève, ça purifie la bouche parce que l'odeur du romarin est agréable. Elle est très très bonne. Voilà une recette qui est praticable parce qu'elle doit être praticable. Parce qu'on a besoin de ça. Maintenant, il dit quelque chose de fantastique. Gardant toujours la bouche, il dit que c'est antiseptique, je crois qu'on appelle ça, oui, antiseptique. Maintenant, si on prend le romarin, oui, je remonte en haut. Si quelqu'un, il lave le visage, la bouche, avec cette infusion, il va guérir les aphtes, l'herpès. Très intéressant. Il y a qui mettent du bicarbonate, ça aussi, il paraît que c'est très très bon. Le bicarbonate. Mais là, avec l'infusion, il se fait des bains de bouche et il va réparer les petits parasites, les petites maladies qu'il y a dans la bouche, soit pour les dents, soit. Il a des boutons, c'est ça. En fait, les herpès, c'est ça. Ah bah, bourrotte. Il y a, bah, ce sont des voilà, c'est de l'herpès. Ou bien les aphtes. Avec un bain de bouche créé par l'infusion de romarin, eh bien, Baruch HaShem, il peut guérir ça. Nous sommes 19. Le jus du romarin qui est mélangé avec du sucre. Et il le mange matin et soir. Vous écoutez? Si quelqu'un il ne peut pas manger du sucre, il peut mettre un peu de miel. De préférence, du miel de romarin. S'il a le miel de romarin, il le met avec l'infusion elle-même. Et il la boit matin et soir, il peut guérir de la toux. C'est-à-dire, si quelqu'un il a une toux qui est très sec, une toux qui est hyper dure, il a une toux qui ne veut pas guérir. Matin et soir, une infusion de romarin, il va guérir cette toux-là. Vous verrez qu'elle va commencer un petit peu à se libérer. V. Deuxième chose, il fait fondre le sang qui s'est coagulé dans le hasé, c'est-à-dire dans le thorax. Tous les matins et tous les soirs, si quelqu'un il a une infection dans le hasé, hasé c'est ici, c'est le thorax, d'accord? C'est toute cette partie. Il prend ça, et s'il y a du sang qui s'est coagulé dans les veines, grâce à ça, c'est un vasodilatateur. Il rentre à l'intérieur et il purifie, c'est-à-dire il explose la sécheresse du sang et il rentre de partout. Et donc, il peut guérir cela. Et aussi, s'il y a un problème dans l'estomac, il va le guérir. Aussi, si quelqu'un, il a soif, il prend tous les jours, il a soif, il a besoin de boire et de boire. Il n'a qu'à s'habituer matin et soir boire du romarin, d'infusion de romarin, et grâce à ça, il va couper la soif. Et aussi, il enlève le ballonnement du ventre, de l'estomac. Nous avons un ballonnement. Parmi ceux qui enlèvent le ballonnement, c'est justement la tisane qui se fait avec le romarin. Mais il dit, faut le prendre matin et soir avant de dormir.
Maintenant, Kaf, nous sommes à la 20e, qui est justement que la 19e. Hein. Je prends les feuilles du romarin. Je les mixe. Je mets un petit peu de noix de galle. D'accord? Un peu de noix de galle. Ensemble. Et je les bois ensemble. Ça enlève le trouble de la mémoire. Alzheimer. Quelqu'un a herbouba sekel. C'est-à-dire, il a un trouble dans son moir. D'accord? Il prend des noix de galle, une petite partie, il la moue, il a. D'accord? C'est ce qu'il dit, hein? C'est ça, mixé. Noix de galle avec les feuilles de romarin, ça l'aide à repositionner le fonctionnement et la lucidité du cerveau. Aussi, lorsqu'une personne se lève du lit parce qu'elle était malade, comment on appelle ça le, on appelle ça le, la hallucination, c'est ça? Oui. Commence à dire des paroles incompréhensibles, ça peut l'aider. Écoutez bien, ça peut l'aider. Si il les mange trois fois. Une personne qui vient de se lever d'une maladie, du préserve. Il a insuline. Ça ne sait pas comment on appelle ça, les effets du coma ou un truc comme ça, on appelle ça. Oui. Eh bien, il mange noix de galle avec la feuille de romero bien écrasée. Il les mange. Ça peut l'aider à reprendre Be'ezrat Hashem la parole. Puisque le cerveau, il est troublé, c'est vrai, mais ça peut lui redonner 1, 2, 3. Il peut recompter, il ne va pas dire 1, 6, 2, 4. Non, en ordre, 1, 2, 3. Et donc, ça peut lui donner, et il ajoute, Viten Bahem Serkel Tovekoa. Il donne un esprit clair, lucide, et la force de l'esprit, la force du mental. Mais vous avez beaucoup de personnes qui ont des problèmes, d'accord? Et c'est quoi la noix de galle? De galle. Si vous savez, c'est quoi? Ce sont des petits, comme des petits fruits, avec lesquels on fabrique l'encre pour écrire le Sefer Torah. Oui? C'est ça, les troubles cognitifs. Bravo. Zakobarouk. J'emploie pas les mots, moi, mais des médecins. D'accord? Moi, j'emploie les mots à moi. Les mots que je ressens, que mon corps, il sent que ça s'appelle cognitif. C'est vrai. Maintenant, c'est ça, c'est afatsim. Ça s'appelle en hébreu afetz, afatsim. Ce sont des, c'est comme des petits fruits comme ça, qui ne sont pas consommables, hein, avec lesquels on les fait cuire, on les fait cuire, bouillir. Le jus à eux, on le fait fumer. C'est un fruit, c'est un liquide qui est noir, avec lesquels on écrit, on fait de l'encre, on fabrique de l'encre et on écrit le Sefer Torah. Alors, s'il veut réécrire le Sefer Torah de sa mémoire, eh bien, il prend le romarin avec le noix de ça, afatim, et Be'ezrat Hashem, il réécrit à neuf, à une page vierge, blanche, son esprit. Voilà. Maintenant, la 21e, la fleur violette et les feuilles. Lorsqu'on les trempe, on les mélange avec du vin blanc ou bien avec du miel, un bon miel. Et là, c'est très intéressant. Vin blanc avec des feuilles et des fleurs du romarin. Lorsqu'on les mélange avec un vin blanc, lorsqu'on les mélange ou bien avec du miel, un bon miel, ils enlèvent la douleur de la rate et ils enlèvent la douleur du foie et ils guérissent toutes les maladies du foie et de la rate. Ça, c'est intéressant. Il ne faut pas rater ça. Vraiment, il ne faut pas rater ça. Ça, c'est bon, ça. Toute personne qui a un problème... Vous savez, des fois, de temps en temps, on sent qu'il y a dans le foie, hein, il se trouve là, ici,
On a des fois, des, comme ça, comme des douleurs. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. On se demande qu'est-ce qui se passe. Hasbe Shalom, le foie, il est malade. Est-ce qu'il a une cirrhose? Est-ce qu'il est couvert de graisse, etc. Oui. Eh bien, voilà un bon remède. Tiens, je ne savais pas celui-là, je n'ai pas fait attention, mais il est très très bon. C'est de prendre la fleur et les feuilles, les faire cuire avec du vin blanc ou, pour les femmes par exemple, pour boire tout, avec toutes ces recettes, elles ne vont pas se saouler. Les femmes, elles peuvent prendre du miel, d'accord? Du vin blanc, c'est bien aussi. Les femmes, elles peuvent prendre, s'il est doux, il y a des bons vins doux, vous les mélangez, vous buvez et ça guérit. C'est pour ça que je dis, il n'est pas seulement un guérisseur, il est protecteur du foie et de la rate. Ça, c'est tous les scientifiques, ceux qui ont les homéopathes, ils ont parlé de ça, que en fait, le romarin est un protecteur du foie. Alors, j'allais dire comme ça. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé qu'il force, il renforce le corps. Donc, c'est un tonus, hein, c'est un tonique cardiaque, c'est un tonus pour le foie, c'est un tonus pour l'estomac. C'est un tonus pour le cerveau, ben, il a tout. C'est un tonus pour l'immunité totale du corps. C'est ce qu'il a dit dans le premier livre que je vous ai cité. Il a dit, il est bon pour toutes les maladies. Il est bon pour toutes ces pathologies. Mais c'est magnifique. C'est incroyable. Ça veut dire que tout ce qui concerne l'estomac, parce que hier j'ai dit, au nom de Maïmonide, que la maladie, la mort commence par l'estomac. Donc il faut aller là-bas. Et c'est tellement fort parce que le Hatzlaban, celui-là, il a cette numérique-là, Kouf Pe Alef, qui est le nom de Hachem, combiné avec trois noms. C'est magnifique ça. Et donc, il enlève tout. Il enlève toutes les pierres qui nous dérangent à l'intérieur. D'accord? Lorsque, par exemple, on va le voir tout de suite. Donc, s'il y a, vous savez comment on a les calculs dans les reins? À cause des calculs qui se déposent dans un foie qui est gras. Un foie qui est très gras. Il y a les calculs qui se déposent parce qu'on a mangé des choses qu'il ne fallait pas, grasse, etc. Et on le sait. Et lorsque le foie ne peut pas expulser ou épurer, puisqu'il l'usine d'épuration, il ne peut pas épurer pour envoyer le sang dans le cœur. Et le cœur, c'est une pompe qui va envoyer toutes les vitamines, des belles vitamines, les bons, comment on appelle ça, molécules grasses, qui font du bien à tout le corps, surtout au cerveau et au cœur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il devient kaved, il devient lourd. Le kaved, c'est le foie. Mais en hébreu, kaved, c'est lourd. Il devient lourd parce qu'il a des calculs. Nous pouvons voir au microscope des calculs posés comme ça, comme des trous dans le foie. C'est très mauvais, ça. Ça, c'est un symptôme de gravissime, c'est-à-dire il peut, Hasbe Shalom, Dieu préserve, entraîner la mort. Pour ça, il faut toujours faire très attention à ça. Donc, comment on le restaure? Il le sécurise, et c'est ça qui est magnifique. Il enlève la pierre qu'il y a dans les reins, la pierre qu'il y a dans les calculs du foie. Il enlève. Vous comprenez ou pas? Parce que, je vais vous dire quelque chose maintenant qui est vrai. Vous savez quoi? Lorsqu'il y a des pierres, il y a un lahas. La pierre, lahas, ça veut dire une pression. Pourquoi elle est venue cette douleur? Parce qu'il y a une congestion dans le foie. Il n'est pas dans son élément, il n'est pas dans sa fierté, dans son orgueil, parce qu'on l'a trop chargé. Miskin, on lui a donné, on lui a donné, on lui a donné, jusqu'à qu'il a perdu la foi. Même s'il était celui que Dieu a créé pour être le messager, pour aider guérir les gens et distribuer, faire son rôle, sa mission, mais nous le congestionnons, nous le compressons. Donc il a perdu sa foi en fait. Il ne veut plus fonctionner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer ce halsban. C'est quoi halsban? C'est magnifique. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est magnifique. Halsban, en hébreu, la dichotomie de ce mot qui est merveilleux, c'est un mot en arabe. Hein. Vous ne trouverez jamais dans la Torah, dans la Bible, ce mot. D'accord? Nous, on l'appelle ça romiro, romarin. Mais c'est tout. Il n'a pas un nom, un nom en hébreu. Il n'y a pas.
Mais nos sages, les rabbins, sont partis chercher comment ils s'appellent chez les musulmans, chez les arabes. Ils ont trouvé qu'ils s'appellent comme ça, Hasselban. Maintenant, regardez ce que vous dit votre ami. Regardez comment il s'est composé. Je vais vous dire les lettres qu'il y a dedans. Il est composé de 6 lettres, oui. Vous avez le Aleph, le voilà. Vous avez le Bet, voilà. Vous avez le Nun, le voilà. Even, c'est quoi Even? Calcul. Even, c'est les pierres. Even, c'est les pierres. Lorsqu'il y a, regardez, qu'est-ce qu'il y a? Lamed, Het, Tzadik, Lahatz. C'est quoi Lahatz? Pression. La dépression. Lorsqu'il y a le congestionnement du foie, ou de notre organe, du cœur, il se compresse, il se serre. Il n'est pas joyeux, parce qu'il est trop chargé. Alors, Lahatz, Even, à cause des pierres et des calculs qu'il a dedans. Qu'est-ce que fait le romarin qui s'appelle Hatzel Ben? Halet Lahatz Even. Halet, c'est retire. Lahatz, c'est un jeu de mots que je fais là. Universel, c'est pas un jeu de mots rigolo. C'est un jeu de mots universel. Halet, c'est-à-dire retire, décharge, lahatz. Alors, je fais doucement. Ha-let. Ha-let. Ha-let, c'est retire. Qu'est-ce que tu veux retirer? Lahatz. La pression. De quoi? Even. De la pierre. Lorsque la pierre se trouve, le calcul se trouve dans les reins ou se trouve dans le foie, il compresse, il crée un lahatz, haltsaben, even lahatz, la pierre qui fait la pression. Qu'est-ce qu'il faut faire? Haletz even, il faut la retirer de là-bas, il faut la briser. Et là, je voudrais vous dire que si vous prenez du romarin ou bien de la rota, que je parle des calculs, des reins, etc., pour expulser et les briser. Il faut d'abord les briser, qu'ils deviennent poudre. Comme ça, ils s'évacuent par le brit, d'accord, par le conduit normal, pour aller à l'urètre. Eh bien, il faut prendre ça avec de la bruyère. La bruyère, c'est une plante qui pousse maintenant, je crois, qui pousse maintenant. Cherchez dans le dictionnaire là-bas. La bruyère, c'est une plante qui s'appelle bruyère parce que son nom est latin ou grec. Parce qu'en français, c'est brisé. Bruyère, c'est brisé. Elle brise les calculs du rein. Voilà. Elle brise les calculs du foie. Si vous la mélangez avec Hatzel Eben, c'est magnifique ça. Si je suis venu au monde, écoutez bien ce que je vous dis. Que pour dire ce hidouche-là, cette nouveauté que je viens de voir, c'est incroyable, c'est sublimissime. Vraiment merci Hachem, vraiment merci Hachem que tu nous donnes les outils, les mots, tu nous donnes la pensée, les idées, comment aller chercher dans les noms, pour trouver un truc. C'est pas moi qui ai créé ça. Ça c'est un mot qui est même pas écrit dans les livres, de la Torah. D'accord, aucun, vous trouverez pas ce mot-là du tout. Mais vous trouverez ça dans le langage des créatures musulmans qui parlent de ça. C'est magnifique, ça. Maintenant, si je demande, moi, un musulman, je lui dis, c'est quoi Hatzel Ben? Il va me dire, ben, c'est le romarin. Je lui dis, pourquoi il s'appelle comme ça? Il ne va pas me dire. Mais j'ai envie, d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a beaucoup de musulmans qui m'écoutent. D'accord? Je voudrais savoir pourquoi il s'appelle Hatzel Ben. Mais l'explication que je viens de vous donner maintenant, elle est sublimissime. Parce que c'est un protecteur pour éradiquer, épurer, expulser, briser les calculs du foie. Et ça, c'est magnifique. Il est dedans. Parce que les calculs créent un lahatz. Lahatz, pression. À cause de Aleph Ben
Ben, c'est-à-dire Even, la pierre, le calcul, et toi, avec le romarin ou avec la bruyère, c'est bien de les mélanger ensemble, c'est très très bien. Tu vas faire ici Lahas Even, Haletz Even. Haletz, c'est retirer, briser, évacuer la pierre, le calcul, et sans calcul. C'est magnifique, ça. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter ici, sur cette note, parce qu'elle est belle, elle est magnifique. Mais je voudrais expliquer beaucoup de choses après. D'accord? Je vais vous le dire maintenant, parce que je ne vais pas trop tarder. Elle est tellement belle, ce que je vais vous dire maintenant. J'ai dit que cette plante merveilleuse, unique, magique d'ailleurs, que Dieu a fait, l'ange qui est à l'intérieur, il est tonique, il nous guérit les problèmes cardiaques du cœur. Lorsque le cœur, il a des fois des flèches, vous savez, c'est quoi ces flèches-là? Vous avez des gens qui disent, aïe, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu comme une pression, cette pression lui a fait comme un coup de couteau, comme un coup de flèche. Et cet homme-là, il souffre de ça. Ça crée après des... Il ne faut pas trop tarder, il faut aller tout de suite appeler les pompiers, l'ambulance pour l'amener de suite à l'hôpital. De suite. Ben, ce n'est pas maintenant qu'il va prendre le romarin. Ça ne va rien lui faire. Le romarin, il faut le prendre à titre préventif pour prévenir et créer, tâtonner le terrain et renforcer l'immunité du cœur, du foie, bien avant. C'est pour ça que des fois, il faut le prendre le matin, le soir, pour créer en lui, et petit à petit. Ça ne vient pas d'un coup. Il faut s'habituer. Notre corps, il est tellement rempli de parasites, tellement de virus, que pour les éliminer, à baba, il faut beaucoup, 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 beaucoup de temps. Donc, ce n'est pas grave. Nous allons, avec l'aide de HM, trouver pour avoir tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. N'oubliez pas de faire les bénédictions quand vous prenez vos tisanes, le miel, le vin, tout avec des brachot. Et remerciez l'ange qui s'occupe de tel aliment. Comme je viens d'expliquer, et deux, trois cours, j'ai dit sur ça. Le malheur. Donc, je viens d'expliquer, dans le mot lui-même, il y a le lahas even, c'est-à-dire la pression à cause des calculs qui me donnent des douleurs comme des flèches. Après, j'enlève le lahatz, haletz, lahatz, even. C'est-à-dire, je retire la pression à cause du calcul. Voilà le jeu de mots qu'il y a dedans. Ce n'est pas le jeu de mots simple, médicinal, quoi. Maintenant, le cœur. Lorsqu'il y a un problème des artères, du cœur, tout ça, il y a des pressions. Vous sentez comme un couteau, comme une flèche, d'accord, qui vient et qui te compresse le cœur. C'est un peu la même chose. Alors comment la plante de la de trois parties. Les premières lettres, c'est quoi? Het tzadik. C'est quoi het tzadik? Hetz. C'est quoi hetz? Flèche. C'est une flèche. C'est une douleur comme une flèche qui rentre à l'intérieur de la chair, à plus fort besoin du cœur. Hetz. Quand il y a comme ça, comme une flèche, douleur dans le cœur, lève, 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 lève. An, c'est quoi an? Aïe. C'est pourquoi? On ne sait pas pourquoi. Les artères se bouchent, il y a des compressions, tout est bouché, et donc le cœur ne réagit pas. Le cœur s'arrête. Quand le cœur s'arrête, il ne veut pas s'arrêter sans te prévenir. Il veut se sentir une sonnerie, une cloche qui sonne pour te réveiller, pour t'éveiller à vite, vite, vite t'occuper, appeler un médecin, parce qu'il est très important. Et donc, c'est magnifique. C'est magnifique, ça. C'est het, lev, an. Ça veut dire, lorsque an, c'est aïe, aïe, an, efouata. An, de an à ta olère, où tu vas? Si le cœur, il sent une flèche, an, Anata Oler, où tu vas aller? Hasbe Shalom, Nimkom Afar Imavetolea. Tu peux d'une minute à l'autre être poussière. Poussière! Tu deviens vermine après. Donc c'est bien le Hatsel Ben. Ça, lorsqu'il y a le Lahats, lorsqu'il y a le Lahats du cœur, tu sens comme une flèche. C'est magnifique ça. Hetz, lev, an. Hetz,
C'est justement cette douleur, comme cette flèche, lève le cœur. Anne, aïe, sache où tu vas y aller. Mais c'est magnifique, ça. Je peux jouer avec ce jeu de mots pour trouver toutes les combines qu'il faut pour sortir de là avec la beauté de la chose. Magnifique, magnifique. Il y a même le nom du malach dedans. Il y a même l'ange qui s'occupe de cette plante-là. Oui. Je vous le dirai après, avec l'aide de Hachem. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? On va arrêter. Et donc, nous sommes arrêtés, si Dieu veut, à la recette, la ségoula ou le remède naturel, appelez-le comme vous voulez. Hein? Nous sommes arrêtés à Kafbet, c'est-à-dire 22. Mais nous n'avons dit que 21. Voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère que Hachem, il va nous aider. Mais je répète toujours. Je voudrais répéter que vous fassiez c'est pour prévenir, pour immuniser, pour renforcer le cerveau, le cœur, la circulation du sang, parce que je vais parler après de ça. Embellir votre visage, embellir la vision, embellir... enfin, il s'occupe de tout le corps, quoi. Donc, il nous faut trouver un psaume, parce que sans ça, ce n'est pas possible. Il nous faut trouver un psaume qui parle de tous ces organes. Des oreilles, des yeux, du cerveau, du nez, de la bouche, des mains, du cœur, du foie. Est-ce que vous le connaissez, ce psaume? Est-ce que vous connaissez le psaume qui parle de tous les organes du corps, que le roi David a passé un au tamis, un derrière l'autre? Et il a expliqué en fait tout, et là-bas, il y a marqué le nom de l'ange, du romarin, là-bas. C'est pas aujourd'hui que vous ferez le cours, d'accord, pour le corps, pour le métabolisme, son bon fonctionnement avec les deux HM, mais plus tard. Peut-être on le fera ça dimanche soir, on verra. Nous verrons, ou lundi soir, avec les deux HM. En tous les cas, une seule chose, il faut dire comme ça. Avant de prendre une tisane, avant de prendre une des recettes pour différentes pathologies, une seule chose, je vous demande, s'il vous plaît, de répéter 7 fois Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Il faut l'apprendre par cœur, ça. C'est avec sagesse, l'Éternel a créé le ciel et la terre. Quand on dit le ciel et la terre, la Torah a voulu dire tout ce qu'il y a comme ange dans le ciel et tout ce qu'il y a comme arbre et plante dans la terre. Afin que l'ange d'en haut, il s'occupe de la plante d'en bas. Lorsque vous dites avec fierté, on remercie à Kadosh Baruch Hu l'Éternel, béni soit-il, qui nous a créé tout ça, c'est juste cette phrase-là. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Vous savez que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a expliqué la Torah, il a expliqué en 70 langues. Il a parlé à tous. Mis à part qu'il y a les secrets en hébreu, parce que le secret en hébreu a été donné au Ham Israël, au peuple Israël, qui a reçu cette Torah entière. On ne peut pas recevoir une partie et pas l'autre partie. Je ne peux pas interdire le porc et pas interdire le chameau. Je ne peux pas interdire cette chose-là et permettre ça. On prend la Torah entière. Ça, c'est le peuple d'Israël. Cependant, Moshe Rabbeinu, il a expliqué aussi aux chrétiens, aux hindous, aux anglais, aux américains, aux Italiens, aux Espagnols, aux Arabes. Il a expliqué toute cette Torah en leur disant « Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz » qui se traduit, qui signifie tout simplement que l'Éternel avec sagesse, nous on a traduit en commencement. Ce n'est pas au commencement. Le commencement de quoi et à quand? Big Bang? Non. Sagesse. Avec Chorma, Bereshit, avec la parole de sagesse, l'Éternel a créé tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est dans la terre. C'est-à-dire les anges en parallèle, les mondes invisibles et les mondes visibles. Sauf que les mondes visibles, comme les plantes, on ne peut sentir que l'odeur, on ne peut goûter que le goût, mais on ne peut pas connaître l'invisible qu'il y a dedans. C'est la raison pour laquelle, avant de le consommer, 2 choses. 7 fois,
Bereshit bara Elohim et Hashem Aïven. Vous pouvez le dire en français, d'accord, en anglais, en espagnol, en arabe. Au début, avec sagesse, Dieu a créé le monde, le ciel et la terre. Et après, prendre la tisane, faire une bénédiction. Alors, toutes ces tisanes qui sont à base d'eau, sont des tisanes à base d'eau, même si vous mettez du vin mélangé, tout ça, etc., elle devient chez Akol Nidbaro, ça veut dire c'est la parole de Dieu qui a créé tout ça. Puisqu'il y a des mélanges de miel, etc., on fait source de bénédiction à Hachem. On peut le dire en français si vous voulez. Source de bénédiction à Hachem, le maître du monde qui a créé tout avec sa parole. Voilà, remercier Hachem avant de boire. Et après, vous buvez afin d'alimenter, afin de nourrir l'ange qui attend aussi. Vous allez vous nourrir, vous allez guérir, mais il faut aussi que l'ange qui est dans la plante, qui s'est occupé de la plante, soit nourri pour vous nourrir de toutes ces vitamines qui est composée, que recèle cette plante, par exemple, du romarin. Voilà avec le romarin ce soir. Je vous souhaite, avec l'aide d'Hachem, une bonne santé, que Hachem Yitbarach, tout vient de lui. C'est lui qui guérit, c'est personne d'autre qui guérit. On a besoin de notre cœur qui soit fort, on a besoin du foie qui soit fort, on a besoin de tout le métabolisme pour le servir, et 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 pour le servir. Voilà, monsieur et madame sont servis. Kol tov, bracha v'hatzlacha. Si vous avez une question, vous avez, je reste ici encore 5 petits 10 minutes avec vous. Si vous avez des questions, si vous avez un malade, si vous avez un Le'ilou Nishmat pour l'élévation de l'âme, tout de suite, citez-moi les noms, comme ça je bénis avec les deux HM. Oui, vous pouvez revenir, je ne vais pas monter en haut. Je ne vais pas remonter jusqu'en haut, il y a beaucoup de chatteurs, d'internautes, je ne pourrai pas remonter vers le haut. Mais vous pouvez me donner les prénoms et les bénir grâce à ce cours de Torah. Grâce. Il me demande le nom de l'ange. Non, non, je ne le donnerai pas ce soir. Je le donnerai après, avec l'aide de Hachem. D'accord? L'ange, mais quand je veux vous dire l'ange, ce n'est pas le nom. Parce qu'il est dans la plante, il est dans cette plante-là. Il est dans cette plante. Voilà. Mais il ne faut pas se planter aussi. Alors, qu'est-ce que vous voulez comme bracha? Là, Carly et Valentin, ses enfants, ils demandent quoi? Bénédiction, Refoua Shelema, Joséphine, Refoua Shelema, Marie-Fleur. Oh, Marie-Fleur, c'est bien. Comme j'ai parlé, de marier des fleurs entre elles pour donner la recette. Après, doucement, doucement. Bénédicte, n'oubliez pas la bénédiction. Bénédicte, n'oubliez pas la bénédiction. Alors, Judith et ses enfants, très bien. Après, est-ce que, question, on donnait les feuilles lavées à nos adolescents? Ça y est, j'ai fait. Carly, Valentin, Nicolas, Juscelène, Zéphir et famille. Elohim Nishmat, Myriam, Bat Hnina. D'accord? Tout ce cours, Be'azat Hashem, qu'il amène les vitamines, que ce soit pour l'anishama qui n'est plus là, que ce soit pour les malades, Shibadou les Haïm. Bien sûr, je ne vais pas mélanger les deux. Oui. Kibalou et sa famille. Refoua Shelema, Yassine et Touria. Ok? Refoua Shelema, les feuilles de romarin, est-ce qu'un peu adolescent peuvent se laver avec? Oui, bien sûr, j'ai dit oui. Absolument. Ils peuvent se laver avec l'infusion, quoi. Des feuilles, ils peuvent se laver. Refoua Shelema pour Thierry, Ben Marie, Julie, Roland, Ben Marie, Julie. Amen. Et vous avez encore 5 minutes, il y a du temps. Stéphane,
Shaina, attendez. Toute la famille, Mosef, Monsef, et la famille. On peut utiliser l'huile essentielle. Elle est forte. On peut, bien sûr. Vous prenez un verre d'eau chaude, vous mettez de l'huile essentielle et vous buvez. Elle est très bonne. L'huile essentielle est plus rapide. L'huile essentielle du romarin, c'est comme aujourd'hui le CBD. Pareil. Sauf que le CBD, quand vous le prenez, toujours vous dites Bessi'ata d'Ishmaïa. C'est l'anagramme du mot CBD. C'est-à-dire avec l'aide du ciel. CBD. Bessi'ata d'Ishmaïa. Mais Azat Hashem, ça calme énormément. Mais nous allons rentrer, il nous manque encore quelques-unes. Hein? Et j'en ai, moi, je vous dirai la mienne à la fin, avec l'aide de Hashem, comment je pense, par la grâce de Dieu et son aide. Ça y est, pendant combien de temps peut-on l'utiliser? Alors, ça dépend. Jusqu'à ce que votre corps, le corps à vous, c'est le thermomètre. Le corps d'un être humain, c'est son vrai médecin. Ça, c'est tout le monde qui dit ça. Même Maïmonide, il a dit. Mais si vous avez des contre-indications, vous avez... Attention, il y a des choses que les femmes enceintes ne peuvent pas, mais par rapport au romarin, ce n'est pas une contre-indication. La rota, ce n'est pas pareil. La rota, la rue, elle est très, très, très puissante. Il faut aller doucement. À quelle heure commencez-vous vos cours directs? Je vous l'ai dit déjà. On commence à... Ces temps-ci, on va le commencer à 8h15. 20h15. D'accord? 20h15, c'est les cours en français. Et après, je passe, je fais, on va dire, une heure et quart, une heure et demie. Ça dépend des cours. Là, celui-ci, parce qu'il y avait beaucoup à dire. Mais sinon, j'ai un cours immédiatement avec les Israéliens, avec les Canadiens, avec les Brésiliens, tous ceux qui parlent l'hébreu sont branchés dans ce site avec l'aide de Hachem. Thierry Ben Meria, Julie Ben et Julie, Maëva et Sharon, la plus grande bénédiction, voilà je vous dis, c'est le cours de Torah. Le cours de Torah, sa diffusion, c'est un cours qui va de partout. Le mérite d'avoir écouté attentivement le cours et vous commentez et vous êtes là à Tmitla Havim. Ça veut dire que vous êtes presque en train de s'enflammer pour le cours de Torah. Ça, dans le ciel, c'est très apprécié, très valeureux. C'est inestimable. Et surtout, j'ai dit, quand on diffuse un cours, par exemple, on acquiert. Je ne dis pas le mot acheter, parce que l'argent, ça n'a rien à voir avec... On n'achète pas un cours, en fait, on veut que ce cours de Torah il soit diffusé. Le zrout, le mérite de l'imouda Torah, l'acquisition des mots et des lettres pour l'âme ou la réussite ou la guérison, c'est très puissant, très très puissant. Le zrout, le mérite de la Torah. Sachez-le ça. Voilà. Si vous désirez, moi, jusqu'à maintenant, la vérité, j'ai toujours, et c'est marqué dans mon site, c'est marqué dans ma page, que les cours étaient offerts, adressés à mes chers parents pour l'élévation de l'âme de mes parents. J'ai cité leurs noms, Estri Abat Mesodi, Mordechai Ben Amram, j'ai cité ça. Mais il y a des personnes qui m'ont appelé et me disent « Rav, est-ce que vous pouvez dédier, on achète un cours pour le mérite ?» J'ai dit « Il n'y a aucun problème, je n'ai jamais pensé, la vérité, je n'ai jamais pensé. Mais si quelqu'un il va avoir des écoutes, du mérite, qu'on le cite, bien les cours de Torah, c'est très, 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 très important. Voilà, je vous le dis. C'est un mérite particulier. Après, ça va? On va comme ça? Baruch HaShem. Alors, en tous les cas, bonne nuit, bonne soirée. Alors, demain, si Dieu veut, nous avons le cours du vendredi. Vendredi, nous allons essayer de l'avancer un petit peu. On verra. Je vous dirai le matin que le plus de monde puisse assister à ce cours du Cantique des Cantiques où la semaine dernière nous avons dit des choses merveilleuses dessus et voilà. Voilà donc je vous ai donné des recettes. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller acheter du romarin, des branches, des pots romarin, soigner le bien,
ne lui donnez pas beaucoup d'eau, essayez de le mettre dans un terreau qui est sec et il va pousser parce que toute la guérison qu'il fait, c'est parce qu'il est le plus humble possible. Parce que voilà, il est là, il est abandonné, il fait pas attention, ne faites pas attention à moi. Ne mettez pas de soleil, il n'aime pas se montrer. Le soleil, c'est la brillance, c'est le prestige, etc. D'ailleurs, la plante du romarin guérit le vertige. Je vous l'expliquerai ça par la suite. Elle guérit en fait le prestige. Parce que ce n'est pas une plante qui montre le prestige, c'est une montre, elle a toujours le vertige. Donc elle guérit les vertiges. Voilà, chers amis.